Salut JD, salut Gaz. Ah, salut YouTube. Oh, je vais baisser ton son, toi. Ah ouais, non. Vas-y, baisse. Gaz est extrêmement fort, ouais. Touche pas, on te baisse. C'est ouais, bien, c'est bien la rien. Seule fois que vous allez le dire pendant ce stream. Voilà. Ah. Ah. Bonjour Mister MV. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Monté, bien sûr. Oui. Voilà. Et bonjour Rivenzi. Bonjour à toutes et à tous. Ah, j'avais pas vu qu'il y a eu un petit train. Merci bonjour. Pour le scam train. Merci Zunderkite. Incroyable. Merci Corinia. On attend comme d'habitude, c'est étoile bien sûr. Évidemment. Bien entendu, bien entendu. On parle à son chat, j'imagine. Étoile ah, incroyable. Je croyais que c'était lui, mais pas du tout. Je suis en train de réviser mes départements. Sachez que j'ai vraiment step up en France. C'est vrai. Non, en fait, j'arrive à placer tous les départements, mais le problème, c'est que j'ai pas entamé la phase la plus importante du processus, c'est-à-dire les chiffres, les numéros. Ah oui. Donc j'ai des moyens mémotechniques, j'ai fait du révisionnisme des années 80, donc tous les 80 je les ai. C'est très bon, genre par exemple le gare, le bien gare, sûr. C'est rendez-vous à la gare à 30. Ouais, j'ai rendez-vous à ennemi à la gare, bien sûr. Compliqué. Incroyable. Mais surtout le révisionnisme des années 80. De connaître les départements, c'est que quand t'as des amis du sud qui te parlent de leur département paumé, genre le Vaucluse, t'es en mode mais complètement, mais je vois easy. Le mais à, easy. À quoi effectivement, ça sert d'avoir des amis du sud. Je sais pas bien, mais il y en a de temps en temps, t'en rencontres de temps en temps, quoi. À un moment donné, la vie fait que. Étoile. Oui. Étoile qui est mute. Ah, mais Étoile, il est terrible. Bonjour, Étoile, ouais. Ouais. Bonjour. Ah, énorme. Bonjour. Bonjour, Étoile. Bonjour, Étoile, comment vas-tu? Ça va très, très bien. Pas trop fatigué? Un peu, les bras un peu congestionnés d'hier. Trackmania. Ouais, je suis à la salle, mec. Je suis à une salle vraiment sympa qui s'appelle Fermader, ouais. Non, ça va. Donc, incroyable. Je suis chaud pour vous oblitérer. C'est énorme. Ah bah super. Hein. Agressif. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit au début du stream, on sera en équipe. Ah oui. Je vais vous montrer le tableau. Je vais le montrer également. Évidemment, ma transition est en train de planter, c'est incroyable. Non, c'est super. Si, si. Donc, voici le tableau du jour. N'ayez pas peur. Il fait un peu peur au premier abord. Mais en vrai, c'est exactement comme l'autre fois quand on avait fait les équipes. C'est exactement comme l'autre fois. Voici les équipes. Équipe 1, alors qu'ils nous ont appelé les gardons, je sais pas pourquoi. Ils c'est monté. Parce que j'étais monté. Sur une page Wikipédia de la pêche monté. Et des rivières, il y avait ça. Ah oui, ça marche. Ça fonctionne. Ouais, je comprends. Parfait. Du coup, l'équipe 1, équipe A, c'est moi, JD, Guz, Rivenzi. Et l'équipe détruite, hein, l'équipe B, c'est Monté, Bilou, Étoile, Mister MV, bien sûr. Ça sera exactement pareil que l'autre fois, c'est-à-dire que les trois premiers rounds, round France, round Europe, round Diverse World, ce sera en solo de notre côté. On rentre les points là-dedans, mais c'est des points qui comptent quand même pour le classement en équipe, hein, globalement. Avec le bonus, bien sûr, du streak 5000, c'est-à-dire que si on fait un 5000 à la suite, ça nous fait un point bonus et tout, ça va rentrer. Ça, c'est le tableau global. Hein. C'est ce tableau-là qui est intéressant, c'est le gros en haut. Ouais. Voilà, et ensuite, ça sera les trucs en équipe à partir du round 4, mais on en reparlera le moment venu. Je pense, tout à fait. Pour ne pas trop noyer d'informations, bien sûr. Tout à fait. Et donc, pour résumer, les trois premières manches, c'est beaucoup de solos qui comptent un peu pour l'équipe, et après, ce sera beaucoup d'équipes qui comptent un peu pour le solo. Tout à fait. Très bien. Exactement. Tu as toujours jamais expliqué aussi bien. Très bon slogan. Incroyable. Ce sera sur mon affiche. Et, je suis prêt en tout cas pour enchaîner les non-combos comme j'ai fait la dernière fois. Mais tu vas y arriver. Alors, on rappelle que tu es le spécialiste du 5000 suivi du 4999. Voilà, c'est ça. Non. Suivi du 5000, évidemment. Très important. Évidemment. Ok, bah écoutez, moi je suis prêt pour le premier qui sera du coup de la France. Ah bah, et c'est celui qui se termine par 326, les amis. Le lien, c'est tout à fait. 326. Alors deux secondes. Absolument. Prenez votre temps. Je rappelle qu'on est. Mettez-vous bien en push to talk. Hein. On se mute pour ces parties-là et on se mettra en push to mute. Ah oui, ah oui attention, hein. Donc, pas de ville juifrie. Mister MV. Alors, on peut cliquer dessus et ça lance pas tout de suite, on est d'accord. Oui, ah non. Oui, tu t'arriveras sur un truc où il y a écrit Start Game. Tout à fait. Très bien. Ah oui, d'accord. Okay. On voit que. Putain, t'es dans mon équipe, Guz, c'est ça? Bah oui, écoute. Je découvre.
Allez, Bilou! Non, mais ça va bien se passer, t'inquiète, t'inquiète, on prépare. Comment se passe là? Il faut merci Thibaut Balkany pour les 500 bitcoins. Merci Moshi Moshi 10 pour le Prime, Kamto. Absolument. Pas m'énerver. Ok. Est-ce que tout le monde. Oui. Oui. C'est tout bon? Je vais pas m'énerver du coup. Oui, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Je suis prêt aussi. Prêt? Qui n'est pas prêt? Tout le monde est prêt. Est-ce que quelqu'un n'est pas encore prêt? A besoin d'encore un peu de temps? Non, c'est bon. Non, super. Bon, la France, c'est mon match-up, hein. Voilà. Mes excuses à toute ma commu d'avance. Du tableau, donc si tu veux faire le décompte. Ça. Premier sur le tableau, ok. Vous êtes prêts, premier homme France. 3, let's go. 2, 1, c'est parti. T'as mon gacha, j'avais mon gacha. Et c'est immédiatement la France de Jean Castex. Tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oh là, Dan, il y a des infos, il y a des infos. C'est mon bloc-notes, oui. Moi, je vais pas m'énerver, Faut pas que je m'énerve. Chambéry. Alors, j'aurais préféré Chambéry. Il y a peut-être un... Il y a peut-être un rapport, hein. Ah, mais attends, c'est un truc du département, ça, cette merde. Pas du tout. Vous pensez? C'est... Non, j'en sais rien. Si, probablement, en fait. En réalité. My body is ready. Ok. Il y a le Mont Mabit. Le Mont Gargan. Aïe, 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 si seulement. On va prendre les logos des départements. Et chose que je n'ai pas fait, hélas. J'ai deux départementales, hein, mine de rien, mais where is Chambéry? Lascaux. 1999, le coup du. Lascaux SARL. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est Jean-Michel Lascaux. Monté qui a voulu flex en allant trop vite. Terrible. Ça aurait rien changé en vrai. Moi, je sais pas où on est parce que je suis trop nul. Mais d'habitude, je commence le Round France avec un 500 points. Donc c'est un peu ma marque de fabrique. Attendez, qu'est-ce que. Émoutier, Mont-Gargan, Chambéry. C'est bon. Mais je sais pas regarder, c'est ça mon problème. Faut sûrement zoomer plus. Et quand je vais zoomer plus, je vais reconnaître. Pourquoi je fais ça? Le problème, c'est est-ce que je vais vraiment pouvoir faire mieux? Putain, si seulement j'avais reconnu ce logo, c'est ce logo qui me fout dans la Demer. Dans la Drôme. Mais attendez, il y a une ville là. 2 minutes 30, on est à mi-parcours, faut pas trop paniquer, hein, bien sûr. Le bled en question. C'est Don. Boulevard du Roc. Je préfère le Roc. Ah oui, c'est déjà fini. J'aurais peut-être dû voir s'il n'y avait pas moyen de verser vers un centre-ville ou une connerie du genre. Ville-Montex, je sais pas où on est. Je me suis téléporté. Émoutier. Émoutier était à 12. Ok. Juste, je tiens à dire que le tableau du haut n'est pas impacté par les points que nous avons rentrés, monté et moi. Des 30, c'est des normal, 30. Il faut finir le challenge pour que ça puisse être pris en compte. Ah d'accord, ok. On a fait le test tout à l'heure. D'accord, ok. Très bien, merci. Enfin, je trouve pas cette D30 de merde. On avait dit D30, si on prend la D30, on arrive à Émoutier. Alors pourquoi il n'y a pas la D30? Putain, ça y est, je m'énerve. J'ai fait 4 mètres en fait, ouais. Bien joué, JD. Allez, what the fuck? Comment c'est possible en fait? Oh, ça y est, je vais m'énerver. Saint-Gilles-les-Forêts, je vois Saint-Gilles-les-Forêts. Émoutier, c'était dans la direction de Don. Attends, mais je vais devenir ouf. Attends.
Saint-Gilles-les-Forêts. Comment c'est possible d'avoir que ma vie soit aussi pourrie? 42 secondes. D30, D39A. Jesus, man. Je suis où? D30, D39A. Comment c'est possible? Il y a un problème. Il n'y a pas plusieurs Émoutiers, c'est pas possible. Là, c'est bien. Le Limousin m'habite, donc on est plus par là, probablement. J'ai envie de mourir, comment est-ce possible? Pourquoi on monte deux départementales et pourquoi je les vois pas? I want to die. Il vous reste combien de temps à peu près? Eh ben c'est fini. C'est fini, ma vie c'est de la merde. Ah oui, moi aussi. Ah, je me suis... Oh, il y a un Émoutier avec un H et un Émoutier sans H. 310 mètres. Mais en plus, c'est... Ouais, le mec il dit, sa vie c'est de la merde. Attends. 90 km. Oh là là. C'est moi. 6 km. Ah, c'est que... Xavier, pardon. Ah, et en plus, c'était bien marqué parc de 1000 vaches en Limousin. Mais moi j'étais dans le parc naturel régional Périgord-Limousin parce qu'il y avait un Émoutier avec un H en plus. Et je trouvais pas ma D30 et je pétais les plombs. Les 1000 vaches du Limousin, c'était bien. Il était bien. C'est bien. Oui, oui. Je suis un connard. Non, mais je suis un connard. Effectivement, moi aussi j'ai fait pareil. Hein. Je me déteste. Moi j'ai juste vu parc régional de 1000 vaches, D30, et j'ai regardé la D30 dans le parc régional et j'ai trouvé. C'était en Haute-Vienne, ok. C'est ce que j'ai fait. C'était dur d'être précis, hein. C'était dur quand même. J'ai fait 19 mètres, je crois. 20 mètres, j'ai fait. Ah non, t'avais l'entrée de Don, donc ça va, mais. Aïe aïe aïe. Rivenzi et Xavier, faut que vous mettiez vos points dans le tableau. Ah oui, pardon, j'étais frustré. Du coup, en fait. Je déteste ma vie. Tableau de mon côté. Déteste ma vie. Oui, vas-y, dis-nous tout entre nous. Allez, l'équipe. Tu t'es mis. Oh, pardon. Ah oui, quand même. J'ai édité au mauvais endroit, deux secondes. Bravo l'équipe des fruits pour votre victoire. Ouais, j'étais un peu loin. Rivenzi qui a fait une MV au premier round. Oh, yes. Les problèmes. Ah oui. Oui. Parfait, parfait. J'adore la Normandie et je me suis dit, bon, essayons de leur trouver quelque chose. Et j'ai pensé à la Normandie au début aussi. Globalement, quand t'es vraiment pas trop du tout, mais toi au centre. Minutes, quoi. Oui, mais c'est ce que je me suis dit au début. Et la première idée était, bon, j'aurais dû rester. Putain, mais je l'ai vu parc mille vaches du Limousin. Faut que je sois attentif. Allez, les gardons, hein. On a un cri de guerre ou pas, les gardons? Il serait peut-être temps de se motiver un petit peu là. Ça va être difficile, hein. Allez, montez la team cyrillique. Et dis-toi qu'on est toujours pas. On est toujours pas en Biélorussie. Hein. On est toujours pas à Minsk. Ah non, toujours pas. À Minsk, oui, non. Les trois rues de Minsk, non. Ouais. Et bon, je suis prêt pour la suite, les amis. Je suis prêt pour la suite. Je suis pareillement. Je sais pas si je suis encore prêt, mais faisons. Allons-y. Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, 3, 2, 1, go. Ah, c'est moins Jean Castex. Moi, Jean Castex. Moi, je trouve que c'est très Jean Castex compatible quand même. Excuse-moi. Ah oui, oh oui, oh bon bah ça l'est totalement. Ok. Sur une départementale là. Allez, faut que je me reprenne là. Je vais me souvenir où c'est à Alençon, je vous le jure. Ça, c'est de l'autre côté. Ah, c'est un 06. Non, mais je vais le retrouver. Ok. Je prends mon temps, mais c'est pas grave. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont scorer là direct. Ok. C'est où déjà Alençon? Ça se voit de loin, non? Ou c'est un bait? J'ai un énorme doute. C'est où déjà? Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça, il va falloir réviser les villes, les préfectures, les sous-préfectures, mon cul sur la commode.
Pourquoi je le vois par là? 10 mètres, c'est 5000. Attendez, je me place quelque part déjà. Ça serait plus au nord. On ne voit pas de loin et ma vie est nulle. Besançon, mais ça veut pas dire que... Oh non, c'est la panique. Je sais plus où c'est. Connu, it is known. Il y avait un panneau derrière moi que j'ai choisi d'ignorer. Ah, je m'en veux, it is known. Un truc. 2 minutes 11, paniquons pas. On va avoir un last minute. Qui c'est? La roche mobile. Un numéro de téléphone, je l'aurai jamais. Il y a du monde, hein. Ok, il me reste une 40. J'ai commencé à paniquer. Heureusement, Rivenzi a l'air de carry, pour moi. Oh non, y a rien. C'est le Mordor. Ok, c'est le Mordor. Faut que je trouve Alençon, les amis. Ah, pourquoi je le vois? Ça n'a rien à voir. Alençon. Je me dis, il fait beau, on est dans le sud, mais je trouve je... C'est trop facile. Moi, je suis en PLS. Enfin, on l'a eu il n'y a pas longtemps en plus. J'ai l'impression qu'on devrait le voir de loin quand même. Donc je vais un peu parcourir tout. Et me mettre dans le centre parce que j'ai un énorme doute. Enfin, je vais être jugé. Hein. Ils ont raison. Enfin, je le vois. Hop. Montluçon. On sera encore dans le centre. Aubusson, on n'a rien à voir. Non, mais non. Enfin, on le voit pas, hein. Secondes. Au secours. Oh là là. J'ai bougé mon point au dernier moment, j'aurais dû le laisser où il était. Aïe. Ah. Les truites, vous vouliez gagner ou pas au final? Juste petite question. Parce que... Du coup, j'ai fait 800 mètres. J'ai tout 200 km. J'ai non, moi... 28 km. Ah, j'ai vu ce qu'a fait Rivenzi au premier round, j'ai décidé d'équilibrer un peu les forces. Ah, merci beaucoup, sportif, voilà. Grand. Ah, non, mais c'est pour vous, c'est pour vous. C'est pour vous. Xavier. Ah, ouais. C'est pas du tout l'endroit où je suis originaire en plus. Ah, ouais. Putain, non, mais j'ai eu l'énorme bug d'Alençon. Hein. Le montrer d'ici. Voilà, vous avez vu, j'ai équilibré. Ok. Ah, ouais. Moi, j'étais retourné en Normandie, moi, je sais pas, la Normandie. Ah, mais Bilou, ah merde! Oui. Mais tout plein gaz. C'est parfait. Mais putain, mais c'est près de chez moi en plus. Mais regardez le score. Putain. C'est très serré pour la. Regardez le score, c'est parfait. Excuse. En vrai, c'est close, hein. C'est close en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui a équilibré les équipes. Ouais. Excusez-moi. Est-ce que ce serait pas étoile? Ah, quel équilibrage. La dernière fois, ça s'est terminé à un point. Sûr que le tueur. C'est pas ingénieur ce mec là, parce que franchement, on fait des équilibrages comme ça. Il est peut-être diplômé dans un mois. Effectivement, ouais, c'est peut-être lui. Incroyable. Mais Antoine, par contre, ça a été vraiment ultra, ultra chaud parce que pour faire les 5000 là-dessus, je comprends même pas comment t'as fait. C'est dur. Alençon, c'est là. Le nombre de clics qui me séparait du lieu-dit et le virage au nord. J'ai pas eu le temps de faire ça, bien joué. Ah là là. J'ai pas eu le temps, j'étais pas... En fait, je suis retourné au point de départ quand j'ai vu que t'avais trouvé, parce que vers le nord, il y avait rien comme info. J'ai vu l'IV, mais
Ah. Il y avait Alençon, vraiment très rapidement. Ah, ouais. J'ai mis tellement de temps à trouver Alençon. Alençon, je ne l'ai pas trouvé sur la carte pendant 3 minutes. Et quand tu connais le nom Alençon, mais que tu ne sais pas où se situe en France, exactement. Qui coule le long de ton dos, c'est terrible. Bah, j'ai passé 4 minutes à faire ça. Ok, ça va, je suis pas le seul. Ok, tant mieux. Ouais, vous inquiétez pas. Bravo. Je suis prêt pour la suite. Vraiment. Let's go là-dessus. Tout le monde l'est, quelqu'un n'est pas prêt? Pareil, je suis juste en train de voir que du coup le Leclerc de Alençon n'est pas dans le même département. Voilà. D'accord. Ah oui, exact. Dans la Sarthe. Effectivement. Et on rigole, mais un jour vous verrez quand vous allez sur le Leclerc d'Alençon. Ah oui, le Leclerc d'Alençon n'est pas dans le département d'Alençon, effectivement. Ah ouais, dans la Sarthe. Petit fun fact, bien sûr. Je suis prêt, ok, allez, 5, let's go. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je relance le gacha. Ah. Tout de suite là. Tout de suite une info. Pas du tout. Ok. Je ne sais plus. C'est où cette ville? C'est où? Aïe! C'est où? Si c'est bon. Montbéliard. Tellement magique. J'ai envie d'aller dans le sud à chaque fois. Hein. Je m'excuse auprès de... C'est pas par là, Montbéliard? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout, je me déteste. Ok. Ok, je déteste ma vie. J'ai compris, c'est bon. Alors, sortons. Mes excuses à tous ceux de là-bas. Ok, une impasse. On est dans l'impasse. Attends, ah oui, les tuiles. Ah non, les tuiles, c'est pas bon alors. On avait dit quoi? Tuiles plates. Le temps change en tout cas. Et les panneaux là. Mais c'est des panneaux locaux là, par pitié. I need more. Champ et foire, service des douanes. Comment ça des douanes? Ok. Montbéliard. Alors. Parking Chamfort, la fameuse promenade de l'Allan. Aucune idée. Une rue. Une rue qui fait est-ouest. La rue du Montbar. Est-ouest, on a l'air d'être en bout de je sais pas quoi. Oh, mais c'est trop peu. On va retrouver une grande rue. Rue du Montbar, on est. Ok. J'arrive justement sur ce grand rond-point. Donc déjà, visualiser les ronds-points. Et là, j'ai de la flotte. J'ai de la flotte tout de suite à mon nord-ouest. Et un truc, ok. Donc peut-être là. C'est l'Allan là, la promenade de l'Allan hein, qu'on nous indiquait. Est-ce que j'ai une rue du Montbard? 3 mètres, c'est bon. Ok, on va faire plus simple. Parking Laxon. Ouais, j'arrive vraiment sur un gros truc là. Mais c'est l'entrée, il y a un putain de pont de ses morts. Il fait nord-est-sud-ouest. Genre ça. C'est là où je suis. J'ai autre chose. Non bah ça tout laisse à penser que c'est ça. Hein. Ça me paraît bizarre. Je crois que si, ça a du sens. Je vois pas la rue. Ok, mais faut pas que je m'énerve. Rue Pierre Toussaint. Mais y a pas de rue là, si? La Comtoise. It is not the rue Pierre Toussaint. My body is ready. Sochaux. Ah, mais y a plusieurs courants. Là? Non, la Comtoise toujours. C'est moins grand donc.
ça, Rupert Toussaint. Charles Lalance. J'ai pas m'énerver. J'en ai plein le HUC. Comment c'est possible d'être aussi con? Rue Pierre Toussaint, rue du Port, la Bezolou, rue du Port, rue de la Petite. Elle est où la rue où j'étais? J'allais vers le nord ou le sud? Est-ce que ma vie est dégueulasse? Oui. De toute façon, je suis arrivé là, de là, chemin, machin, rue du Coteau, les Coteaux. Non, mais c'est pas la bonne rue. Elle était au nord, alors? C'est la rue des Beaux, rue des Beaux Mabites. Rue du Montbard. Ok. Et le parking? Oh, 22 mètres, putain. Aïe, 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 37 mètres. 519 mètres. 430 mètres. Eh ben, Bilou, sache que j'ai fait 428 mètres. Ah oui, c'était là. Ah, tu es bien meilleur. T'es tellement meilleur, là. Je me sens ah, c'est la mal. Team, ça. Alors, Rivenzi et Guz. Putain, on est abonné au pas 5000 chez nous. Au pas loin du 5000, mais au pas 5000. Ah, mais Antoine, putain. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Antoine, ça. What a crack. Il est fort. Ouais, il est fort, il est fort. On enchaîne, on s'arrête pas. On carry la team. Grande dérogador. Ouais, grande dérogador. Allez. Allez, bon. La team. C'était là. Pas trop mal. Montbéliard, la superbe Montbéliard. Tout à fait. Eh bien, je suis prêt pour la suite, les amis. Ah, eh ben, je pareil, suis chaud pour la suite. Ah, ouais. Oui. Je suis chaud. Allons-y. Ok. Eh bien, 5, 4, 3, 2, 1, go. Wow. Aïe, aïe, aïe. Wow. Merci, Lox. Merci beaucoup. J'ai bien fait d'aller là, peut-être. End of Green Lane. Quoi? Pourquoi c'est en anglais? Vous pensez que c'est une merde, genre on est à Jersey ou je sais pas quoi, là? Ah! Ouais, c'est ça, hein? Ah! 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 Ah oui! Ah! D'accord. Ah! Sac. Je vois. Je vois aussi, c'est... Qu'est-ce qu'on... C'est un peu... Fait. Je pense voir aussi. On le fait quand même. Ah ouais. Bah ah oui. C'est... oui. Ouais, ah okay. Bah oui, on le fait quand même. Ah oui. Ouais. Oh bah on fait. Moi je suis chaud. Hein. Est-ce que vous parlez du fait que c'est les problèmes? Ouais. C'est un peu les problèmes. Ouais. Bon, on va peut-être envoyer un message au créateur de la map pour lui dire. Ouais. Ouais, je t'enverrai un message. C'est pas. Ouais. C'est bien normal que je vois des A mais pas des B. Y a pas un délire là, non? Ok. Ah mais en fait c'est d'autres problèmes alors. Pourquoi y a des A et y a 0 B? Voir les noms. Trinity Boulet Bay. C'est vraiment la France de Boris Johnson exactement. Ah Boulet Bay ouais en effet. Par contre, savoir où est la rue 31. Hein. Durell Wildlife Camp. Ok, c'est bon. C'est déjà rassurant. J'augmente la piste, c'est incroyable. Ah non, mais ça, c'est genre le plus loin. Imagine. Quoi qu'il arrive, on sera pas trop loin. Hein. Si je pouvais voir le nom de cette ville, quoi. Ce village. C'est mon gros problème, présentement. C'est où j'étais, là. Hein. Non, vas-y, fais pas ça, quoi. Est-ce que je pourrais pas trouver ça? Ah non, c'est un genre un hôtel, mais est-ce qu'il serait signalé d'aussi loin? On envoie des hôtels, hein.
une 42. Putain, j'ai pas grand chose, hein. En fait, je crois que je me suis placé près du point qui est le plus loin de là où je me trouve. Oh là, attention, j'entends du bruit en haut, peut-être bébé, peut-être une agression de bébé dans pas longtemps. Ok. Roselle. Five Oaks montant. Mauphan. La route de Mauphan, peut-être dans ce coin-là. D'un côté, il y a Mauphan, Five Oaks, Saint-Hélier. De l'autre, Roselle. Ok. On parle de la B30, c'est peut-être cette merde. Wildlife Hostel. Du coup, je vois pas cet hôtel, les chambres de maître, là. Et on est dans ce coin-là, quoi. Peut-être là, la ville Bray, là. Roselle Mill. J'ai pas vu un Saint-Martin. 25 mètres. C'est ultra chaud. Moi, je vais pas faire les 25, les 5000 là-dessus. Oh, 47 mètres. Oh. 858 mètres. 10 mètres. 310. 440 mètres. 1 mètre. Et du coup, ouais, j'étais bien placé avant et j'ai compté les petits points et c'est ça qui va nous bien. Je pense que le point est un peu mal placé. Je l'ai fait à 1 mètre en comptant monter. C'était chaud. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bye bye les 25 000. Hein. Ah, dommage. Bye bye. Ah oui ouais, je suis abonné au 4999. Ah là, vous étiez bien. Hein. Ah, j'étais pas plutôt content de moi, mais finalement, vous étiez tous très proches du point. Quoi. Ok, ok. Ouais. Dernière nouvelle de Rivenzi. Ouais. Bah Rivenzi met tes points. Enfin, il faut que t'appuies sur Enter pour les voir. Oui, voilà. Oh, ça va, hein, tu vas bien. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Vous venez toujours là, faut qu'on vous écrase. C'est vrai que ouais, ça reste balance, hein. Tout peut se passer sur le suivant, hein. Sur cette manche. Tout à fait, absolument. Ça reste très. Tout à fait, c'est vrai. Ok. En tout cas, bravo à tous d'avoir compris qu'on était à Jersey. Bravo. Ouais. Bah, j'ai eu un doute, je t'en bats d'attendre. On connaît le trick puisque la première fois nous avait très étonnés. J'ai eu le petit signe en anglais, je me suis dit bon d'accord. On m'avait signalé qu'il y avait une faute sur ces cartes. C'est la faute à Mister JD de la chaîne Mister JD. La fin. Est-ce qu'il est avec nous ce soir d'ailleurs pour en parler de cette faute gravissime? Ah, je crois qu'il est pas là. Il a voulu annexer l'île de Jersey. Il fait des tentatives diplomatiques sur par le biais de GeoGuessr, tu sais. Tout à fait. Bien joué. On connaît bien l'endroit. Ok, je suis prêt pour la suite, les amis, pour le dernier round de France. Pareil, tout pareillement. Je suis prêt. Tout à fait. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et tout va se jouer. Effectivement, ça peut se jouer là-dessus. Okay. Parti. Au sud. J'ai même pas regardé ce panneau mort. On est dans le Mordor, quoi. We are in the Mordor. Oh. Fallait-il aller au nord? Oh, le Mordor. Oh, des lieux dits, j'aime ça. On voit rien, c'est superbe. Oh, l'église. Oh, le village. Oh, le lieu dit, quoi. Putain, mais j'en ai plein le huc. Allez, là, la civilisation. Oh, je sais pas. Si, attendez.
Ah ouais, y a des noms qui se suffixent encore. Ah merde, ce... Je m'énerve, je vais me détester, je vais faire perdre ma team. HD. Terrible ce round. Hack, ça me rappelle Bergerac, mais je sais même plus où c'est. Ah si, c'est là. Je pense que... La 89 est là, hein. Donc on est peut-être pas totalement dans le faux. Riberac, c'est mis à 24. Ça serait bien de trouver ça. Si c'est là, tout du moins. D41, on a la D11. Attends, on t'entend. Non, on t'entend. Ah, pardon. Je connais ça. Le problème, c'est que j'ai pas envie de me lancer dans cette aventure si c'est pas le bon coin, mais j'y pense. Razak, il y avait pas... Non. Saint-Laurent. Ouais, c'est quand même les noms du coin. Hein. Isaac. La Roque Gajac, le Périgord. Putain, je suis perdu. Je peux suivre la 89, mais... J'ai quand même besoin mon pont, ouais. J'ai besoin de plus d'infos, quoi. Ah, je vais faire le sud. Ah. Quoi, le bled avant les lieux dits que j'aurais dû noter. Enfin, c'est tellement lent de reculer comme ça, c'est incroyable. Saint-Barthélemy de Bellegarde. 1 minute. J'ai l'impression que j'arrive du sud vers la 89. Du nord, du coup. Saint-Michel, Saint-Laurent-des-Haches, Échourgnac, Riberac, Montpont. Enfin, je vois pas, ça me... J'en ai plein, là, des trucs. Rosiers, Saint-Alac, Antillac. Et de brief plutôt. Pourquoi je les trouve tous sauf celui-là? Riberac. Riberac était à 24. La D7. 4 km. 1 mètre. Très bien. J'avais oublié. Oh merde, c'était déjà la fin. Aïe aïe aïe. Deux choses assez importantes. 19 km. Quel était le département numéro 24, évidemment. Et où était Saint-Privat, évidemment. On va bien jouer. J'ai pas ces infos. Mmh. Moi, c'est Riberac qui m'a mis trop bien. Moi, c'est Périgueux. Ah, j'avais trouvé ça. Et bien, Riberac m'a mis très bien aussi, ouais. Ouais. Périgueux, j'avoue que ça m'aurait bien mis. Ah, j'amène la défaite. Ah non, Rivenzi, oui. Ouais, ouais. Je. Ah bon, Gueuse mettait point. Ouais, c'est bon. Merci à tous. On passe quatrième de ce round. À 700 points. Coup dur. À 700 points, putain. Aïe, 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 je suis désolé, c'est moi. J'ai pas trouvé Périgueux, j'ai pas trouvé les infos. Mais n'empêche que je suis démuté par erreur. Je ne comprends pas pourquoi, dans le tableau global là-haut, on gagne la win. Ah oui, c'est parce qu'il y avait pas des points bonus. Ah, je suis à 0 parce que je l'ai édité par erreur. J'ai édité la formule. Ah non, il y a JD en a 1. J'ai édité la formule par erreur. De 62 à 44, excusez-moi, il n'y a pas un problème quelque part? Ah, c'est Mister MV, son score n'est pas... Oui. Parce qu'au début, j'ai mis mon score là-dedans comme un idiot. Il n'y a pas le score de MV, alors 2 secondes. C'est de ma faute. Ouais. Un petit instant. Elle faisait ça. Yes. Pour recopier les formules. Putain, le fait de choke sur... j'étais en mode, putain, je sais que le 12 c'est le 25, c'est quoi le département d'avant? Ah oui, je suis mute. Donc j'allais dire oui, j'ai édité tout à l'heure cette connerie.
Okay, c'est ma faute. Je crois que j'ai réglé le truc. Ça a l'air bien. Il y avait un 0 dans cette case. Parce que j'avais mis 0, j'avais mis mon score là au premier round. Comment ça? J'ai passé CTRL Z. Il avait modifié une case qu'il fallait pas modifier. Okay. Exactement. Juste, comment ça se fait que du coup on gagne? Parce qu'on a fait pas mal de combos. En fait, on a fait 3 combos, toi et moi. Oui, mais ça nous fait que 3 points. Vous êtes les seuls à avoir. C'est pas en solo les combos? Dans notre équipe, il y en a 0. Alors déjà, il y a ça. Et puis aussi, il y a le fait que Antoine et moi, comme on est premier et deuxième, on gagne quand même. Beaucoup de points. Ah oui. Le premier gagne 20, je crois. Ah oui. Du coup, on vous base quand même. C'est ça, pour l'instant. Vous nous défoncez la gueule. Bien joué. Ouais. Non, en fait, on est vraiment très très fort, quoi, finalement. Putain, mais la France JPP, quoi. Voilà, c'est ça. L'équipe détruite, elle a juste récupéré, par contre, les 2 points de scoring. Parce que au score, vous nous avez eu. Donc, dans le truc victoire solo, à droite, les truites ont 2 points. Voilà. Exactement. Oh, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Okay. Du coup, effectivement, on demande peut-être. Première place, j'ai des points. Le chat me demande de clarifier ceci. Je vais donc devoir clarifier. Évidemment, on n'a pas le droit de chercher sur Google les informations. Ah non. Ah d'accord. Okay. En effet, mais non. Ah ok. D'accord. Ah d'accord, ok, je comprends. Moi, je faisais ça depuis le début, mais. Ouais, pareil. C'est fou ça. Très bien. Merci à tous. Nous sommes en Europe, ça finit par G. Le classement global, c'est. JD premier, je suis deuxième, troisième, étoile, quatrième, montée, cinquième, Pilou, sixième, Gueuz, septième, MV, huitième, Rivenzy pour l'instant. Tout à fait, pour le moment. Bon, après, JPP. Là, on est en Europe, du coup, on va voir qui c'est le meilleur joueur du monde, c'est-à-dire montée. Bah, c'est montée en Europe. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, Europe, juste après. Donc, on est d'accord que c'est le challenge qui se termine par GE. Tout à fait. Oui, absolument. Oui. Absolument, je l'ai là. Oui. Tout à fait. Oui. On est bien. Ok, l'Europe maintenant. Tout le monde est prêt? Oui. Ça va être à moi de faire les décomptes. Oui. Ah, hop là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore besoin d'un petit peu de temps? Ou c'est tout bon? Non. Okay. Non, ça devrait être bon. Alors, le challenge qui se termine par GE. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. C'est un challenge France, par contre. Ah. Et c'est une erreur de ma part. Et c'est une erreur. Ah, yes. Aïe. C'est ma faute. Ah. Okay. Du coup, nous allons prendre Backup Solo Europe. Backup Solo Europe. Il est en 2 minutes celui-ci d'ailleurs. Ah oui, alors là, c'est bizarre. Oh la merde, je suis vraiment planté. Excusez-moi, faudra vérifier. Pardon. Même le Backup Solo Europe, normal. Backup Solo Europe, ouais. Ouais, et en 2 minutes Solo Europe, normal. Ah, c'est bon. Okay. Non, normalement, c'est. Enfin, je pense que c'est bon. Ok, par RU. RU. Qui finit par RE, oui. Ouais. Ok, je suis prêt. Non mais Rivenzy, il est complètement mute. Hein. Ok. Merde. Mais il est parti, il est tunnel. Ah merde. Il tunnel la map. Signalez-lui sur son chat. Oui, vite Rivenzy de revenir. Merci Fellward, Malabar 69. Allez sur ce. Merci Kentiro, Chris Tier 2. Merci Lox encore. Merci Quev pour le host. Déso, Quev. Merci mec. J'arrête. Ah, très bien. Europe, backup solo. Backup solo, Europe. Termine par RU. Ah d'accord, exactement. Ok, donc il faut changer là, d'accord. C'était en France encore. Il y a eu une erreur, j'ai mal fait, il y avait beaucoup de maps, j'ai un peu mélangé les pinceaux. Donc le backup solo, ok, qui finit par RU, très bien. Tout à fait. Ok, vous me dites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de temps? Bon. Non, c'est bon. Non, on est bon. Alors, très bien. 5... Je tiens à dire juste, effectivement, attends, juste Europe, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas Union Européenne, hein, c'est toute l'Europe, et y compris la Russie occidentale, pour le coup. Ça fait partie de l'Europe aussi. Très bien. Voilà. Ok, alors, restez bien en vocal 2-3 secondes après pour être sûr qu'il n'y ait pas de fail. Oui. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. C'est bon. Voilà, excusez-moi. Ok. Je veux que ça s'arrête. On va se poser quelque part déjà, hein. Allez, des infos là. Aucune. Parti vers le nord, hein.
Pourquoi je pars toujours du mauvais côté? Ah, attendez. C'est pas les panneaux roumains, ça? Pourquoi? Non. On a vu avant du... Cyrillique ou je sais pas quoi. Je suis pas parti par là, du coup, hein. Évidemment, c'est là où il y avait de la civilisation, peut-être. Ou pas. Holy shit. Je crois que ces noms-là, Brevenica, s'ils ont juste un feeling de nom. Croatie, hein, peut-être. Pourquoi je me vois plus, je me vois pas plus à l'est que ça, mais ou je dis de la merde, hein. Probablement. Ah là là, les montagnes, c'est très beau. Ouais, au sud, il y avait rien non plus, quoi. Enfin, j'aurais juste vu un panneau Brevenica, c'est vraiment tout ce que je vais avoir à me foutre sous la dent. Oh là là. Je crois que double affi... Non, pas la Macédoine encore. Oh, aïe aïe aïe, les amis. Yes! I love it. Le Z. Ok, le Z avec cette merde. Un Z avec cette merde. Ça existe en Croatie, hein. Ça existe sûrement à moult endroits. Je vais rester sur Croatie, du coup. Ah, c'est chaud. En plus, je connais pas du tout la topographie croate. Il y a un kitsch. C'est pas trop croate, ça, non? Si, ça fonctionne. Ça m'a fait peur, ça. On a quand même vu du cyrillique au tout début. Wouah, c'est chaud. Ah, c'est tellement chaud. C'est 40 à 30 secondes, je regarde la carte plus en détail pour des montagnes. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, bah ouais. Hein. Ensuite, pour jouer safe, est-ce qu'il faudrait pas que je me mette plus à l'est? Au cas où, c'est la mort. On a des doubles affichages en Serbie. Peut-être qu'on peut se dire du coup qu'on est plus proche de la Serbie. 990 km. 8 km. J'ai bien fait. 429 km. 298. 227. 158. 158. À Monténégro. J'avais une intuition qu'on soit dans ce pays. En ah, double affichage au début, c'était ça. J'ai vu le bled n'est pas indiqué. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment je... Le bled n'est pas indiqué, putain. Non. Si, Donia Brevnica est indiqué. Oui, ouais, mais alors celui-là, moi, je l'ai jamais vu. Celui-là, j'ai jamais vu, moi. J'avais vu Brevnica, ouais. À un moment, il y avait une pancarte avec la carte du Monténégro et qui nous disait vous êtes d'ici. Oh non, mais attends, oh, bah oui. Oh, oh, sérieux, oh, j'ai rien eu, je crois. Je savais que j'étais au Monténégro, mais j'ai pas trouvé le bled, quoi. Ça m'a rendu ouf. Ah ouais, punaise, j'ai pas trouvé le Monténégro, hein. Franchement, c'était de par là, quoi. Non, mais je pensais qu'en plus, je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'on y était, je me suis pas mis. Mais cela dit, après,
Coup de jeu. Moi, je me suis mis en Serbie, ouais. Ouais, j'avais pas l'info du tout. Moi, je me suis mis en Roumanie. Oh, les tweets. Let's go, les tweets. Oh, l'équipe. Slovénie, tu t'es mis, Antoine. Oh là là, on pue la merde là, on a aucun qui a plus de 4000 points. Ouais, c'est oh, dur. C'est terrible. Oh, j'ai, ah, moi je suis, plus, je suis à moins 3000. Je suis le pire de tout le monde. Voilà. Mais oui, t'es le pire joueur de l'équipe là, regarde. Ah oui, mec, ok. T'es 8ème, je suis insolent. Mec est insolent. Ah bah attends, c'est bon, ça va. Ah, déjà, on commence par du cyrillique, bon, forcément. Forcément, ouais, il y avait un panneau en cyrillique et tout le reste en alphabet latin. Ah, ouais, mais comment ça se fait que c'est en cyrillique sur un panneau, ça je comprends ouais. pas. Mais c'est parce que c'est un pays, ils savent pas où ils sont au niveau alphabet. Ouais, c'est ça qui m'a orienté moi personnellement. C'est... Mais c'est qu'on est proche de la frontière, c'est pour ça Montec, c'est ouais. ça Non, non, c'est la langue officielle du Monténégro, c'est le monténégrin, écrit en cyrillique, mais pour une sombre raison, ils écrivent tout en alphabet latin. Et quelques trucs traditionnels écrits en alphabet cyrillique. Ah bah le panneau bon, vieux était écrit en cyrillique, donc c'est ouais, très c'est peu clair. Clair. C'est très peu clair, alors, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'aurais dû passer par là, je suis. Bon. Ok, bon, bah écoutez, je suis prêt pour la suite. Et aïe, bien, pareil. Pareil. 5, 4, 3, 2, 1, et let's go. J'ai l'impression qu'il faut toujours aller vers là où il montre. Hein. Je vais vers le rien encore, je suis sûr. Ça va, ça va. Là, je suis allé à l'est au début, ok. Ça, c'est maison, là. C'est quoi, ce délire? Ah, ok. On est content, mais c'est grand. C'est très grand. Tu veux pas me mettre un panneau là, en mode Kiltran quoi? Sérieux les gars quoi. Bon, je pense que tout le monde va avoir le pays hein. C'est pas ce que je note, hein. Je m'excuse auprès de toute ma commu. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce que je cherche. Je retourne à l'est, là. Let's go west. Ah, c'est le Mordor. Tout le Mordor à l'ouest. Chercher une intersection, je crois que je vais retourner à l'est. Hein. Rester en ville, c'est probablement plus safe. Le soleil. Pas trop regarder là, mais. Je peux pas aller tout droit là? C'est interdit ? Non, ok. Ah mais c'est retour vers le Mordor. J'aurais peut-être dû aller à gauche. Ok. Non, ouais, ça sent la merde. Hein. Ah. Non, c'est que la route qui traverse la ville, quoi. Ah, ça va être chaud, hein. Magnifique vélo. Ah, sérieux les gars quoi. Un rond-point, un truc quoi. J'aurais dû aller à gauche. Au moins il y a encore des maisons. C'est ça qui est... Enfin il y avait un pain... Non. Qui est encourageant. Mais personne n'a envie de foutre un panneau ou que ce soit visiblement. Je vais regarder ce vieux panneau alloué que j'ai vu. C'est une auberge, c'est quoi c'est, je sais pas ce que c'est. La friture. Super les gars. Je sais que je suis en Roumanie, merci. Oh, c'était... Non. C'était un mirage, hein. C'était...
C'était un mur. Oh, j'aurais dû aller à gauche. C'est incroyable de rien avoir comme as. C'est la Roumanie, quoi. Big up. Ça met un panneau, les gars. Une grande route. Au Grézény, ça fait deux fois que je vois ça. La région, peut-être. Bon, il y a les démitations. Eh, je vais piffer ça. Ah, mais ok, il y a des frontières, mais ça ne montre rien du tout. Donc la région, je me la fous dans le cul. Au secours, hein. Je suis dégoûté. J'ai rien eu, mais rien du tout. Oh là 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 là. Enfin. Ah, je la trouve pas. Horrible, horrible. D'accord, 344 km. 207, 33. Ah, on était proche de Bucarest, eh ben merde. Ouais. Ok. La seule info, il me restait 50 secondes, et c'était Giurgiu comme ville, enfin Giurgiu comme ville, et je ne sais pas où c'est. C'est même pas indiqué sur la carte. Ah, moi, j'ai vu mes premiers noms de ville à 10 secondes de la fin. C'est pas une ville, en fait, c'est un département, en fait. Non, Giurgiu, c'est la ville post-frontière avec la Bulgarie. Giurgiu. Si, si, je te jure. Giurgiu. Oui, regarde. À Rousset. Regarde, Rousset en Bulgarie, bah en fait, c'est caché par Rousset en Bulgarie. Ah ouais, mais c'est aussi le nom du département, du coup. Mais pourquoi tu dis qu'elle était pas affichée, du coup? Bah, elle était pas affichée parce qu'elle était cachée par Rousset. Ah, et puis moi, j'ai regardé. Enfin, ouais, il faut les oublier. Mais... j'ai tellement galéré à avoir des infos. Moi, j'ai eu un panneau à 10 secondes, quoi. En Roumanie, mais alors... Ah, merde. J'ai trouvé parce que j'ai vu qu'on était pas loin de la 601 direction Bucarest. Ah, ah d'accord. Papa. Voilà. Ah oui. Oh mais quel joueur, mais il est. Rochesti, ça veut dire Bucarest. J'ai d'accord. De route et j'ai traversé trois villages. Pareil. Ouais, pareil. Je trouvais pas d'info de route. Parce que je pense que à part les grands axes en Roumanie, il doit pas y avoir grand chose qui est numéroté régulièrement. Oh si. C'est chaud de couvrir quoi. Ah ouais. Prenez la capture d'écran Prenez la capture d'écran parce que Monté est troisième à l'heure actuelle. Et sixième pardon. Sixième à l'heure actuelle. Bah oui, je suis une merde. Bilou premier. Hein. La team combo en tout cas. Gus deuxième. Incroyable. Oui. Incroyable. Et oui. Bravo. Et les scores sont rééquilibrés hein, quand même hein, là avec cette ouais, deuxième 200 manche. 200 points d'écart. Ouais, ouais, ouais. 200 points. C'est close. Hein. Faut attendre c'est la suite. Très close. Ouais. Très close. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui. Je suis prêt pour la suite. Ouais. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. J'ai un doute horrible. Mute, hein, c'est bon. Non, ce doute, il va partir très vite. Zagreb, oui. Donc on quitte l'autoroute. Rijeka, Rijeka, Zagreb. Auf Wiedersehen, ok. Ah bon. C'est une bonne info, hein. Que je fais vraiment bien, peut-être. Ouais. Alors, Karlovac, Zagreb et Karlovac par là. Le 65, c'est bien ça. Le 65 de ses morts.
5 mètres. La 1, elle est là. La 1, elle est là. Et la 6, on me demande de prendre pour aller dans l'autre truc. Et où la 6 ? 6, elle est là. Waouh ! Ok. C'est le moment où elles se croisent, hein, visiblement. Ah, mais il y avait le truc en mode tu quittes la 1. C'est ça que j'ai pas compris. Genre en mode tu quittes l'autoroute, big up, salut. Ah, parce qu'on quittait la 6. Ouais, c'est ça. 21 mètres. Là, Rijeka. Pas mal. Aucun point bonus hein, dans notre équipe pour l'instant. De succession de 5000. Ah mais le 65, souvenez-vous qu'on prend le 65. Et le 65, elle est là-bas. Donc non, dans un premier temps. 18 km. Dans un... Ah, la 6 aussi là. What? Ok, ouais, donc on est beaucoup plus haut. Ouah, je suis perdu. Attendez. 13 mètres. Nice, c'est bon ça, JD. La 1, la 6, la 65. Ok, ça doit être ça. On est là. Je crois. Là, je vais plaine ouest. Il y a croisement. Bienvenue sur l'autoroute de ces morts. Combien de temps après ? 1:15. Ouais. Ok. J'ai perdu, putain. Non, parce que là, ça correspond pas vraiment. Mais si, c'est ça. Non, parce qu'il y a un truc qui part à gauche. Là, j'arrive. J'arrive en allant vers l'est. Et on me propose tout droit de continuer E65, E71. Et de prendre ça. Ok, donc je suis là. C'est quoi ce truc que je vois à droite qui me trigger ? Là, je pars à droite. Ici, je passe sous ce pont-là. Là, normalement, j'ai deux routes qui se rejoignent. Ça, je le vois pas. N'empêche, pour l'instant, ouais, vos points bonus dans votre équipe compensent complètement nos victoires d'équipe. De la merde. 25 bornes. J'étais au mauvais croisement. 131 km. Ah! Oh le coup. Oh la Rivenzi. Ah c'est douche froide, je suis désolé, je croyais être bon mais je. Je suis désolé. Ah non attendez. 3800 points, 3800. 3400 pardon. Pas grave. Le coup dur. C'est mieux. Aïe 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 aïe. Je me suis mis à côté de split parce que j'avais pas d'autre split. Ouais, pareil. Et en fait j'avais vu la 1. La 1 quoi en gros. Et en fait pas du tout, c'était tout au nord du pays. Je. Ah ouais. J'étais très confiant en plus, hein. J'étais très 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 confiant hein, pour le coup. Hein. Mais attends, mais j'ai trouvé une E65 au sud du pays, justement vers. Elle se croise deux fois. Elle se croise deux fois. Ouais. J'étais sur celle-là, moi. Et bah, j'étais exactement au même endroit. Pareil. Aïe, 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 le bait. Terrible. Comme un bleu. Ah ouais. Sur celle-là. Ça arrive. Croatie. Ça arrive. Ok, je suis prêt pour la suite. Tout le monde, il y a quelqu'un qui a besoin de temps ? Prêt. Okay, allez la team. Allez les gardons. Allez. 5, 4, allez, gardons. 3, 2, 1, let's go. Ah. Jean Castex. Pas d'indice, s'il te plaît. Mais après, c'est vrai qu'on est... On est dans la Bulgarie de Jean Castex, effectivement. Mais pas d'indice, s'il vous plaît.
Tout à fait. Sûr. Merde, attends. Non, non. C'est encore mes fulgurances de je crois me connaître de... Je crois me souvenir de quelque chose, mais c'est faux. Putain, c'est... Non, je vais dire une connerie. Ça ressemble un peu à ce grand truc d'eau et cette eau. Ça ressemble au Périgord, mais... La mode du Caire. C'est ce blaze-là, je l'ai entendu plein de fois dans ma vie. Je vais attendre un peu avant de me placer. Hein? Oh, quoi? Volonne? Non. Volonne. Ça veut dire rien à voir. Jas du moine. Il y a plein de trucs là. Non mais c'est ce que j'ai vu avant. Gap, ah oui d'accord. Donc pas du tout en fait. On est bien d'accord que Gap... Ouais. Oh, bien joué. Tisteron. Ah la Durance, faudra que je trouve le cours d'eau peut-être. Ouais c'est ça. C'est long. On est à Siston. Non. La Baume, non. Bourg-Réno. C'est magnifique ça. Ça doit être indiqué ce que c'est ça. Mais attendez. La ruelle des Mômes. Sisteron, on est bien là, ok. Je pense. Quoique non, parce que ça peut être un truc. Ouais, bon. Mètres. La D951, ça correspond, hein. Et ça, cette merde là. Ah, je suis dans la merde en vrai. C'est ça en fait. Il vous reste du temps. T'as une minute. Je pense qu'on est là. Hein. 9 mètres. 5 mètres. Attendez-moi, s'il vous plaît. Le premier 5000, incroyable. On rappelle que je suis dans la merde pour Antoine, ça fait 5000. Oui, oui, tout à fait, je vais faire 5000, t'inquiète. Je vais faire 5000. C'est le round où tout le monde fait 5000, j'ai l'impression, hein, pour être honnête. Relance mon gacha. Ah, 21 mètres, mais c'est quand même les 5. C'est des débuts de round compliqués, hein. Putain, regardez ça. C'est pas mal. Début de France, dégueulasse. Début d'Europe, dégueulasse. Manque Bilou, Étoile et Rivenzi. Diverse World, faut que je sois là. Hein. À 41 mètres. À 800 mètres. Oh non, Bilou! Ah, du coup, vous avez pas le bonus. Dommage. Parce qu'on a pas le bonus! En plus, il avait l'air plutôt facile. Putain! Mais je me suis perdu, je comprenais pas ce que je regardais en fait. Il nous faut Rivenzi, t'en es où? Aïe, aïe, aïe. Pas de pression, Rivenzi, mais il faut les 5.
Vas-y. Oui, ah. 4604. Oh, dommage. Ah oui, il y a le bonus synchro, exact. Ok. Le bonus synchro. Ouais. Ah, Thomas. Je suis désolé. Dommage. Ah là là, aussi, pareil. J'avais pas réussi à remonter là. Ouais. Combien de points le bonus synchro? 2 points pour. Ah ouais. Ah, je suis désolé aussi, pardon. Il y a aucun. Pas grave, vous êtes passé ouais. Partout où? Parce que moi je suis allé directement au rond-point et j'avais directement toutes les infos. Moi j'ai jamais vu le rond-point. Moi je suis allé de l'autre côté, moi. Je suis rentré dans Sisteron. J'ai vu Gap. Ouais. Oui, pareil. Ah oui, je... Ah, le rond-point il donnait tout. Hein. Ouais, le rond-point donnait tout, mais en fait toutes j'ai. Toutes les villes de la région, tout. Et en fait, je perdais le fil de la D4085 quand elle remontait trop vers le nord, et après, en fait, je me rends compte qu'elle réapparaissait plus loin. J'ai... C'est incroyable. Ouais, j'ai galéré à trouver la jonction aussi. Ah, ouais, ouais. Moi, j'ai du mal à trouver Sisteron tout court, en fait. En fait, j'ai vraiment galéré à trouver. Ah, ça va, ouais. Une fois que j'ai eu Gap, je l'ai eu tout de suite. Ouais. Non, c'est assez connu, Sisteron. Ouais, c'est très joli d'ailleurs. Ouais, c'est super, je suis désolé d'arriver à la fin de ce 3-5 problème. C'est incroyable. Il n'y a pas de soucis. Ah, oui, c'était la dernière. Moi, je me régale en tout cas. Allez, on combote. Allez. Je suis prêt. La last. Ouais. Prêt. 5, je 4, suis prêt. 3, 2, 1, et c'est parti. Ah. Ok. Ne vous inquiétez pas, je sais maintenant. Là, il y a la 100. Évidemment, il n'y a aucune logique. Donc la 101, je la trouverai jamais. Attends, par là, c'est 5 mètres. Le sud. D'ouest. On continue la 3, là. Ah non. Je t'aime pas. Tu m'as dit que je m'aimais pas. Je t'aime pas. Antoine moi, qui va faire gagner son équipe juste au point bonus. Très bon à Trackmania. Je t'aime encore moins. En vrai, je pense que c'est la bonne décision que je prends de remonter comme ça, mais au moins que la 101 soit vraiment tellement locale. Finalement, je suis peut-être de la merde. Bon. Elle serait collée à Bucarest. 200, hein. 223. Mais je change de pays, là. Non, 15 mètres. Bah non, je suis con. Allez, la team. J'ai jamais vu la 101, quoi. C'est le 3, mec. Vu comment on récupère les bonus, ok. Ouais, vous récupérez tous les bonus. Bon, là, on combat. Juste à la constance, vous allez, je pense, gagner quoi qu'il arrive. Vous avez 8 points bonus déjà. C'est comme si vous aviez une demi-personne dans l'équipe en plus. Voyez. Oui. On est bien là, par là en fait. Je le pensais pas, c'était juste. La 101, elle est là. Là, il y a la 101. Sous couvert de la compétition et de l'émotion. Je sais bien. Les mots. Ah, c'est ça, la 3 en fait. Ok. Allez, l'équipe! Allez, les gardons là. Ok, donc 184 à 2 bornes. 100 à 2 bornes, donc on est entre les deux, plus ou moins, et on passe un pont. On est sous un pont. Je pense que je suis bien à la merde.
C'est forcément ça. Le pont est à mon sud. On est sûr. Mètres. On y croit. Je suis vraiment désolé. Hein. Allez, Bilou. Allez, mon gars. Je comprends. Donne tout, mon gars. Au bout. C'est bien, Ivan. Désolé. Oh non, j'ai été boussolette. J'ai pas regardé ma boussole. Je suis désolé. Non, mais en vrai, le score est pas mal. Le score est pas mal. Le score est bien, ouais. Effectivement. On est pendu. Ah là là. Au score de Guz. Ah ouais, Guz. Putain, mon premier combo. Pour les gardons. Pour les gardons. Le premier combo du challenge. Ah oui, allez, pour les gardons. Quelle émotion. J'ai chopé un combo aussi parce que j'ai eu 2 5000 d'affilée. Eh oui. Tout à fait. On est nombreux à avoir comboté là. Antoine qui fait 4 5000 d'affilée, hein, il me régale. Ouais, mais le premier round, j'ai vraiment... Et la France aussi, 3. Quelle violence. Là, j'en ai fait 3 en fait. C'est vrai, les gars. T'as fait combien? J'ai fait 39 finalement, je comprenais pas ce que je voyais. Vraiment, je... Ah. Non, je comprenais pas. Moi, j'étais très près de Bucarest et ensuite, j'ai vu l'autre ville. Et en fait, vu que chaque sortie était à 2 bornes, donc au milieu, t'avais qu'un pont, quoi. Mais Gueuse, ouais. Vas-y. J'ai eu la même réaction que toi, Xavier, sauf que j'ai boussolé, quoi. Aïe. La honte, j'avais pas l'info de Bucarest. Et oh non. J'ai regardé les chevrons, et ils ont exactement les mêmes chevrons en Moldavie. Voilà. Ah, moi j'ai perdu beaucoup. Il y avait beaucoup resté. Mais moi j'ai perdu beaucoup de temps à suivre la grande 3, alors qu'en fait il fallait regarder la 3 et c'est après que je l'ai vu, ouais, à la moitié. Oh, c'était tellement close les points là. Horrible, c'était hyper facile. Bilou, premier du challenge Europe. Idiot. Let's allez, Bilou, bien joué. Hein. Bien joué. Bilou, bravo. Hein. Pas trop loin, donc du coup ça. Enfin, bien joué. Hein. Moi je suis loin. C'est terrible. Pour l'instant, c'est l'équipe qui détruite les rouges qui gagnent. Ouais. Sur le... à 122 points, à 118. Hein. Et classement global à l'heure actuelle, je suis 1er, 2e, JD, 3e, Bilou, 4e, Montée, 5e, Étoile, 6e, MV, 7e, Guz, 8e, Rivenzy. Pour l'instant. Les équipes sont assez balanced hein, pour le coup. Ouais. Bah, ça, c'est 1, 2, 7, 8 et 3, 4, 5, 6. Ouais. C'est très balanced. Très balanced. Incroyable, cette étoile. Ça a bien joué, ouais, l'ingénieur. Ouais, Bilou devant mon frère, Bilou qui a step up, mais c'est un truc de fou. Le petit prince de Joguester, Bilou. Il est chez lui, dans son jardin. Et dites-vous qu'on a un joueur d'une classe mondiale qui arrive en divers worlds. Sauf quand il va confondre la Jordanie et l'UAE. Ou le Chili et l'UAE. Il se peut qu'il mette son poids au Chili au bout de 15 secondes. Et qu'il reste dans cette idée pendant les 5 minutes. C'est ça. Il est largement possible. Mais n'oubliez pas, il nous a fait vibrer. C'est vrai. La dernière fois, 24 950. Comme ça. Excellent joueur. Du coup, là, on passe sur divers soirs. Le challenge se termine par QH. Tout à fait. Je suis prêt, oui. Bah oui. Tout à fait, oui. Exact. Je suis prêt pour ce divers soir. Vous ne vous trompez pas. Il s'annonce déjà comme un classique. J'ai pas entendu par quoi ça finissait. QH. Ok, je suis prêt. Non, c'est déjà un classique. Ouais. Hein. C'est déjà un classique. Étoile, je te laisse faire le décompte, Étoile. Je suis... Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Oui, absolument. Yes. 3, 2, 1. C'est parti, mesdames et messieurs. Ok, wow. J'avais plein de panneaux locaux là, j'aurais dû regarder. Je regarde rien. Wow.
Ouais, probablement. Ok, maintenant, savoir où on est. Allez, ce gros rond-point là, ok. Pourquoi les... Ah. Ok. En sachant qu'au début, au-dessus de la... d'un nom de ruelle, il y avait marqué Tufan Rasa. C'est peut-être là où on est. Alors, Adana, c'est là. Mais c'est vaste encore. Ça peut être très loin. Si Hermerkesi a l'air local. On peut pas avancer là ? Une grande ville. Hein. Putain, je suis beaucoup trop à Kozan, ouais. Ah, ça disait Kozan Barajou, c'est ça. Hein. Kozan Barajou à 8 bornes et Kozan est là. On doit être, on est peut-être à Adana. C'est quoi CI, mais ça va être un quartier encore. Une grande ville, je pense qu'on est là, mais. Ok, on va se balader là. Faut que je me balade, faut que je fasse quelque chose. Quoi cette merde? Non, c'est un camion. On pouvait pas faire plus grande place que ça par contre. Hein. Enfin, j'entre à Kozan? On est à Kozan alors. Ouais, c'est grand. J'avais vu un nom au début. Et quel enfer. On était à un énorme rond-point cependant. Un total. C'était par là mon rond-point. Okay. Le total est au sud. Sud-ouest. Est-ce qu'il y a un total là? Non, c'est pas ce qu'on prend là. Là? Un pétrole machin, mais je pense pas. Il n'y avait pas un cours d'eau? Total. Ok. Ok. Je pense que c'est pas mal. Je venais d'où? Je remontais, non? J'arrive d'où? Oh, yeah. J'ai vu le drapeau turc, je crois que je suis arrivé de là ou de là. Juste là, ouais. Doyou Donner. Ouais, c'est ça, j'avais vu ça. Donc il y a le Harik machin et le Donner machin. Harik et machin. Ok, c'est bon. Mais ça se rejoint pas, c'est chelou. Enfin, je suis là en fait. Là, c'est la Erizim machin. 11 secondes. J'ai piffé, je sais plus où on était, point de départ. On était à côté de Ré, on était plus haut. La ville est vers le sud. Ouais, on est quelque part, par là. 229 km. 262 km, je l'ai vu à la toute fin. 357 mètres. 62 mètres. Oh, j'ai failli comboter. Oh, le 62 j'ai mètres. J'ai pas d'infos sur la location. Putain, je suis parti dans le mauvais sens. Merde. 117. Failli comboter. Fallait que j'aille plus haut. Mais vous avez eu quoi comme info? Comment vous avez eu? J'ai regardé ce qui était écrit sur les magasins. Et en fait, il y avait écrit en turc. Enfin, il y avait tout écrit Kozan. Et en fait, je connaissais la ville. Moi, je suis arrivé au rond-point où il y avait toutes les infos et le drapeau turc. Et il y avait l'entrée de ville Kozan. Enfin, il y avait Kozan marqué, machin. Moi, j'ai fait deux fois une sortie de ville et il y avait. Pas parti dans le bon sens, putain. Mais j'ai fait deux sorties de ville et j'ai jamais su dans quelle ville on était, quoi. Ah ouais, si tu partais vers le sud, le centre-ville, c'était abreuvé d'infos partout, ouais. Ah oui, d'accord, il y avait un hôpital juste là avec un gros rond-point, effectivement.
Ok. Trouver ça, ouais. Ah, et toi, le joueur turc qui combatte là-dessus. Ah, j'ai pas eu mon combo, bravo, Étoile. Ah, j'aurais dû l'avoir aussi. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, oui, j'avoue, Xavier. Oh, yeah, yeah, yeah. Si loin. Nick. Tu as posé en dilettante le point ou J'ai trouvé mon rond-point, le rond-point avec tout le total la banque, mais à genre 30 secondes de la fin et je pouvais pas tout remonter. Vraiment. Oui, 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 oh là 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 là. Je comprends. Et bravo à tous. Hein. Bien joué. Okay. Ouais, pour la prochaine. Je suis prêt également. Avec un petit liaison en S. Allez, toi, à toi de faire le décompte, je crois. Ah oui. Est-ce que tout le monde est prêt du coup? Je pense que c'est le cas. 3, 2, 1, nous sommes partis maintenant. Oh! Par pitié. Par pitié. Va falloir un panneau parce que ça peut être tout et rien là. Ok. Merde, les Baltiques. Vous me détestez ? Il y a un double affichage ou pas ? Ouais. Je pense que vous me détestez, vous avez raison. Je sais plus. Je fais de la merde, hein, c'est pas grave. Merde, faut que je note quand même, je suis con. Ah mais quel connard de pas me souvenir de ça. Là je vais être dans la merde, il y en a qui sont déjà bien placés, du moins dans la région. La rivière, la Karabalta. Mais si j'ai que ça, les amis, waouh. Je pars au sud depuis tout à l'heure, ok. C'est lent, avance. Pitié. Karabalta partout, hein. Des villes à double affichage, il y en a pas mal, hein. Ah, je vais pas chercher à. Je vais mourir si je fais ça. Tellement de doutes, faudrait peut-être que je le fasse. Double affichage qu'on a vu. Danube, magnifique. Ça reste le Danube, ouais. C'est pas mal, hein. J'aime bien. J'ai fait l'erreur de revenir au point de départ en plus. Je vais me détester, quoi. C'est sûr. Les camions. Attention, les faux amis, les camions. 2 minutes. Ah, ça a coûté cher. Ça a coûté tellement cher. Avance, putain, mais ils se traînent le cul. Pourtant, j'ai des points sur... Ah non, c'était pas des infos, ça. Encore pareil, Karabalta. Labla, la rivière Labla. Là, faut réviser tous ces fleuves et ces rivières européens. Je sais pas. C'est un vrai problème, je ne sais pas. Magnifique montagne. Faut des montagnes aussi, hein. Enfin, ça va coûter tellement cher.
Je vais essayer de mettre un point centre. Je suis où là? Je vais mettre plus haut, dans le doute. Desna, Balta. Ah, je sais pas. Je me mets un point plus central, mais. C'est horrible. J'espère que vous avez des infos de votre côté. Hein. Zéro info, tout simplement. Zéro info de mon côté aussi, ça va être un total random. Je me ferais pas mieux de me mettre plus. J'ai une info, mais. C'est une de plus que moi. Et bien, 1500 bords. Je me déteste! La dernière fois! Aïe aïe aïe! Moi aussi! On a fait pareil! T'as eu l'info la dernière? Oh là, ah mais... Ah ouais ah, mais attendez, mais attendez. Non, j'ai toute la game, j'ai mis mon point au Kirghizistan et à la toute fin, je me suis placé vers la Finlande en Russie. Mais non. Mais non. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais non. Parce mais qu'à non, aucun moment, non, j'ai dit que c'était le Kirghizistan, j'avais pas d'infos. Attendez, attendez, mais... Ah mais... Ça fait mal. Je pensais que tout le monde l'avait dès le début. Tout était écrit en russe. Alors, il y avait un camion, il y avait un camion qui était immatriculé KGZ, dès le début. Mais j'ai croisé un camion qui a écrit en allemand. Non, j'ai un camion qui a écrit en allemand. Je vous jure. Ah, KGZ. Oui, si, KGZ, ça me. J'ai vu un truc qui ressemblait, mais j'ai pas prêté attention. Aïe, aïe, aïe. Le camion qu'on croise en bas. Alors, attends, je vais te redire lequel précisément. Normalement, celui en bas. Alors, peut-être celui d'après. Non, c'est celui d'après, peut-être. Attends. Est-ce que celui-là, il l'avait? Non, il l'avait pas. Aïe, aïe, aïe. Celui d'après. Alors, il y a une voiture. Catastrophique. Et ensuite, ouais, un autre. Ah, je suis trop triste. Gus, mets tes points, s'il te plaît. Je le retrouve pas, ouais. Ah si, il est loin. Il est loin. Oh, Gus, qu'il a... Mais t'es pas très loin. La dernière seconde, j'ai changé. Je... Ah, Bidou, tu l'as eu 600. Oh, le boss. Bien joué. Wow. Bien joué à Gus, 4600. Bravo, Gus. Bravo. Bah, ouais, beaucoup de chance, ouais. Ce qui nous permet de pas sombrer dans ce round. Hein. Sinon, dû... oui, voilà. J'étais à l'est de l'Ukraine, j'aurais dû y rester. Moi j'aurais dû rester au Kirghizistan, merde putain. Ah j'avoue. Oh, c'est dommage. Mais ce qui est très étrange du coup, c'est que tout était, enfin tout ce que j'ai vu était écrit en russe, alors que ce n'est pas une langue officielle du Kirghizistan du tout. Proximité avec la frontière du coup. Ouais, c'est la... Même... Ah, mais même pas, même pas au Kazakhstan, donc... Kazakhstan, donc... On est quand même du coup, je me suis mis le plus au sud de la Russie, à la frontière pour voilà, pour sauver la caisse, mais on est quand même... Le fleuve qu'on a traversé s'appelait le Karabalta, et du coup, je me suis dit que c'était en rapport avec les pays baltiques. Ouais, bah, c'est exactement ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit, mais j'ai eu un trou de mémoire. En fait, on allait vers le sud, du coup, je me suis dit, moi, qu'on soit vraiment en Finlande, ça me semblait vraiment difficile, quoi, tu vois. Je l'ai évidemment lu Kappa, hein, d'ailleurs. Mais, oui. Oui, bien sûr. Ok, ouais, Vu, coup dur. Très bien. Très bien. Il faut passer à autre chose, messieurs. Il faut passer à autre chose. Ouais. Vous disiez les coups durs. Il faut avancer. Oui. Oh là là, avançons. Allez, allons vite. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. Allez, à toi, étoile. Ouais. 3, 2, 1. C'est bon. J'oublierai chaque fois. Au côté d'où on était, il y avait un point qui s'appelait le Vladimir Poutine Peak. Moi, j'ai rien vu de tout ça. Ah, mais tu veux dire sur la carte. Ouais. Sérieusement? Allez, on a le pays, mais c'est grand. Mais on a le pays. Et ça, c'est une petite victoire. Ah voilà, enfin, les lignes jaunes que je cherchais au début. C'est vrai que cette double ligne.
Ils mettent souvent les noms de route, mais pas là. Ah si, yes. Étoile sait que je suis en confiance. C'est mon terre-terre. Progresser doucement. Ok. Derrière 62. Et là. Donc on a Woodson d'un côté et Ladysmith de l'autre, ici. On fait de l'Est-Ouest. Greylands Private Nature Reserve. Moi j'ai vu un Game Reserve, Village et Spa. C'est peut-être dans un coin. Ouais, pas d'infos là. Hein. Il y en a, d'accord, mais c'est grand. Ok. Match Yisflay, ça a l'air d'être plus local déjà. Oh. Pourquoi je le vois pas le Match Yisflay ? Qui est soi-disant ici en partant vers le nord. Il y a Mathias Fountain là. Mais on me parle pas de route. Non, je vais attendre. On me parle pas de route. Il n'y a pas de nom de route sur, pour aller vers Mathias Lay là. On va continuer. Hein. Donc toujours vers l'ouest. Une réserve, ça peut être Olive Steak. You are now entering Gatica area. Signaler ça. Gamkaberg nature réserve, pas du tout. Non, rien à voir. Gamkalag Rootsferg. Ouah, je comprends pas. Secondes, ça va être chaud. Ah, allez, go, 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 avance. C'est ce que j'ai vu là. Hein. Gamka Echo Olive Estate. Il y avait un panneau vert. J'ai pas halluciné. On va devoir rapiffer là. Ladysmith 40, Montagu à 179. 40 bornes, ouais, mais incroyable, impossible de savoir ça aussi. Je trouve Montagu qui est là. Gamka. 113 mètres, c'est quand même les 5000 points. Gamka, c'est là. 119 km. Ah, d'accord. Ok, je m'étais bien placé à la base. 4 km. Je me détais. Ah, bien joué à 219 tous. Km. J'ai pas du tout. Je me m'étais trop... bien placé. C'est fou. Oh, j'avais vu le nom du bled et tout. Oh là là. Il y a un truc qui prank, c'est que du coup, à un moment, tu es sur la R62 et ça t'indique la ville qui est au nord est indiquée au sud. Quoi ? J'ai pas trouvé la R62. Ouais, moi, je suis tombé sur la R62 avec les deux côtés, donc c'était bon. Ouais. J'ai galéré à la R62. En fait, ce qui m'a mis mal, c'est que je cherchais le chevron. Je sais pas si vous avez vu la route 62. Hein, le chevron était très particulier. Et du coup, je me suis dit, enfin, je l'ai pas retrouvé sur la carte, en fait, le chevron. Ah, oui, je vois de quel tu parles, celui où il y a marqué que c'est une route touristique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, qui rappelait le chevron très américain, justement. Et je l'ai pas trouvé, donc du coup ça m'a foutu le doute, mais bon, je suis resté quand même en Afrique du Sud. Ah ouais, bien joué. Moi j'ai trouvé Woodchurn là et Ladysmith et je me suis placé entre, mais ensuite c'est difficile. Ah oh, là. Bien joué. Ah ouais, c'était touristique, ouais, c'est ça. Bien joué à tous. Bien joué. Ouais, je suis prêt. Pareil. Ouais, pareil. 3, 2,
1, c'est parti. Ok. En effet, ça va être facile pour tout le monde. Maintenant, c'est les 5000 qui comptent. Ça semble à un panneau de ville, ça. What? Sérieusement, les gars? Ok. Juste la ville, oh là là. Ensuite, il n'y en a pas des milliards, mais bon. Quand même. Ah putain, le badass. Il a dû avoir l'info de la ville dès le début et c'est ce que j'ai loupé. Bien joué. Merci beaucoup. Ça, c'est des liens. La place. Ne paniquons pas. On va partir par là, du coup. Bah ça oui c'est cool si on a ça à côté. Peu importe ce que c'est d'ailleurs. Fontaine du Lion, Pietro machin. Saint Paul's Bay. Ah mais non, il y avait Saint Paul Street. Mais sérieux. C'est quoi la grande ville? Mais il y a. Là il y a des trucs. C'est énorme en fait, c'est un bordel. C'est quand même la ville, hein, la Luigi Garden, Sir Luigi, Preciosi Garden, View, Pietropole. Mais ça me trigger quand même. J'ai juste besoin de la ville et je la trouve pas. Ah, ça me bute, franchement, c'est honteux. Ville portuaire. Il va là, connard. Ok, ok, ok. Mais je sais que je suis à Malte, là n'est pas le problème. Ah, j'ai honte. Merci. Unk HS pour le prime. Ouais, merci à toi, hein. Franchement, ça fait plaisir. Oh merde, pardon, pardon, putain, j'ai appuyé sur le prime. Beaucoup à toi, Malfit38 pour ton follow. Merci pour le message dans le chat, Brini34. Merci. Kaja Emmanuel Estona. On arrive ici. C'est quand même huge ici. Il y a la statue de l'indépendance. Independence Ground. Valetta Waterfront, oui d'accord. Ah je m'en veux putain. J'aurais dû faire 5000 ici. Putain, un gros truc, non. Il y a le bazar quoi, faut que je te dise. La Piaggia de mes couilles.
Ah si, quand même, 3 km. Okay. 47 mètres. 470 mètres. Ah, 4 mètres. Oh là là, il y a des noms, il y a des noms de rue. Qu'est-ce qui... Non, j'ai pas fait... Oh non, Rivenzi, on aurait pu comboter ça. La team no combo. Je suis la team no combo. Je suis désolé. Ah, tu m'avais... En fait, j'arrive jamais à c'est pas de leur côté, je veux dire. En fait, ça qui me rend fou, je suis désolé. Je cherche. Bilou, là. Bilou, premier tout le temps, là. Moi, je suis 7ème du round. Aïe, 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 aïe. Ah oui, il est chaud, Bilou. Ouais. Étoile, ton score. Impressionnant. Étoile, faut que tu mettes ton score. JPP. Ah, mais j'en peux plus. J'arrive pas à trouver les endroits précis, ça me tue. Ça, mais vous avez vu quartier Floriana ou... Ah là, putain, faut zoomer. Non, non, pas du tout, j'ai trouvé très vite. J'ai trouvé le quartier Floriana, mais j'ai pas vu après où c'était. Moi, ça m'apprend que tout ce qui est... Bah, du coup, je me suis mis au nord de tout ce que j'ai vu indiqué à mon sud, et a priori, comme les routes vont dans tous les sens... Ah mais c'est incroyable, c'est difficile à trouver quoi. Bah déjà Matt, j'étais jamais tombé dessus. Ah non, je suis 8ème, pardon. Le temps que je le trouve, j'étais un peu en mode ouf, un peu étrange, mais... Mais ouais, particulier. Particulier. Dur. Ouais, j'ai galéré à trouver le nom de la ville alors que je l'avais tout de suite quoi. Tu vois des noms bizarres, tu vois, je sais pas si t'as l'impression d'être en Italie, mais ça parle anglais. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'es en mode, attends, je sais pas où je suis au début, et puis après j'ai vu après sur les bus que c'était le service de transport de Malte, mais... Est-ce que tout le monde est là? Ouais. Oui. Ouais. Oui. 3, 2, 1, go. Ça, c'est la merde. Ça, c'est vraiment la merde. Enfin, les mecs, vous faites de l'impression et vous avez pas le site. Ils ont une adresse à Hotmail, je les déteste. Enfin, le tuk-tuk avait peut-être une info là. Sur le bled, c'est pas... Holy shit. Un bébé. Non, sérieux les gars, c'est un effort quoi. Ok, déjà. Et c'est grand, c'est terriblement grand. Marché municipal, ok, je suis dans la grande rue. Ah, les panneaux, les gars, quoi. Les panneaux, pourquoi? Pourquoi vous détestez les panneaux? C'est pas cool, hein. Mais c'est quoi cette haine viscérale? Clinique Saint-Louis, mais ça n'a rien à voir. Mais sérieux, les gars, quoi? J'ai passé là-bas tout à l'heure. Oh! Bienvenido. Ah non, le stade. Ok.
C'est le stade, c'est le. C'est pas forcément le nom de la ville, c'est ça mon problème. Oh, j'ai envie de mourir. Quintana Roo. Non mais José Maria, c'est qui José Maria? Je le déteste. J'suis en panique. J'suis en panique absolue, et là je sors de la ville. Là il y a le nom, tout de suite un nom. Au secours. Où suis-je? Comment ça, Rosema? Oh. Là. Attends, bébé. Oui. Coucou. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, bébé? Doucement avec la porte. Holo Kaira. Attends. Non, attends, parce que là, c'est papa, il travaille. C'est très sérieux. Moi, je sais pas où on est. Et puis là, avec le nerf bébé, je vais me mettre en plein. Au revoir! Allô? Bon, je vais mettre près de Mexico, hein. Titi. J'ai vu le stade de machin. Oh, sa mère. 564 mètres. Aïe, aïe, aïe. Putain, attendez, j'ai un nerf bébé. Oh, j'avais vu Quintana Roo, c'est donc un état, une connerie. Ok. Oh, j'ai pas eu le 100 billets. Ah, vous avez réussi à sortir de la ville, vous? Oui. Non. Horrible. Ah non, impossible de sortir. Impossible non plus. Hein. Horrible. Un calvaire. J'ai juste vu qu'il y avait des langues amérindiennes. Du coup, je me suis mis dans cette partie-là du Mexique. Aïe, aïe, aïe. Ah non, en fait, ça casse les couilles parce que j'ai... Quintana Roo, j'ai vu un truc de Veracruzana, en fait, et du coup, j'ai cru qu'on était dans l'état de Veracruz, donc... Non. Aïe, ah ouais, non. Aïe, aïe, aïe. Je le saurais. QR... Terrible. J'ai vu une école avec... Par la chute. José Maria Morelos. Comme quatrième, tout septième, quoi. Yes. De plus en plus... Sixième, moi. Sixième. Ouais, mais toi, t'es deuxième au général. Bilou, moi, je suis cinquième au général. Premier, deuxième. Premier du général à l'heure actuelle. Bilou, bravo. Bien joué. Premier du général. Bravo. Incroyable, Bilou, là. Complètement. Oh là 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 là. C'est ouf. Et moi, je suis à égalité avec Antoine, du coup. JPP. Et je... Et je suis... Moi je suis pour la team. Je suis quatrième. On est carré. Oh là là. Voilà, mais leur avance vite. On va passer sur de la coop à partir de maintenant. Sur un divers ah oui. World. Alors attendez, je vais tirer. On va pas se mentir, a priori, l'équipe détruite 15 non, points d'avance. Attends, mais oui, mais c'est 15 points d'avance. Attendez, vous avez tellement fait 5000 que vous avez compensé ce qu'on gagne en victoire solo, quoi. Ok, donc on dit de 1 à 2, c'est le malus. Partir un joueur qui sera le malus. On n'aura pas le droit d'appuyer sur le drapeau retour. Ok. Ok. Très bien. Pas le droit d'appuyer sur le point retour au point de départ. De 3 à 4, si je tire un dé de 3 à 4, ce sera du coup don't move. L'une des personnes de l'équipe ne bouge pas du point de départ. Et les autres se déplacent, ils n'ont pas le droit de regarder la carte, c'est que lui qui la regarde, et il doit trouver le point en fonction des informations que les autres lui disent. Ok ? Très bien. Et de 5 à 6, ce sera speedrun, on retire une minute. C'est-à-dire okay. que, en plus, dans tous les cas, vu qu'on est en équipe, les rounds sont plus courts. C'est-à-dire sur du 4 minutes, sur du Europe c'est du 3 minutes 30, sur du France c'est du 3 minutes. Et si c'est speedrun, c'est une minute de moins à chaque fois. Olé. Je lance le dé, et ce sera partir un jour, pas le droit de mettre retour au point de départ. Très voilà. Bien. Okay. Si vous faites ça, vous devez faire make guess immédiatement. Yes. Ah. Ok. Retenu. Ok. Donc, LX. CLX. Ça sera sur la map qui se termine par CLX, tout à fait.
Alors l'équipe, et là, on est tous, l'équipe détruite dans le salon équipe 2. Oui. On va aller. Oui, on est tous en communication. Et, hein, c'est bien ça. Et nous dans équipe, et l'équipe des gardons dans l'équipe 1. Juste envie de tomber dans je un truc perdu. Je suis une sale merde là, je joue comme merde. Une merde. Bah, oui, je suis content mais... avec vous, je les déteste les autres. On est... Ça va l'effectuer. Dites-vous, ça va l'effectuer. Et actuellement, on est en train de gagner. Bravo à tous. Bravo. Bravo. Putain, j'ai fait un bon diversoire. Tellement chuté au Mexique là. Ok. Le Mexique, la mort quoi. Putain, j'avais vu. Alors, il se trouve que la langue que j'ai croisée, c'est donc du Maya Yucatec, hein, visiblement. Que je ne parle pas couramment. Moi, j'ai fait 500 mètres et j'étais en mode ouais, c'est le 5000 à 100%. Et non. j'ai flex, j'ai fait une étoile. Faut pas trop tarder, j'imagine. C'est quoi le challenge du coup? C'est le. Faut pas retourner au point de départ jamais. Ouais, voilà. Il faut qu'on lance maintenant en fait ou pas là? Je pense, ouais. Ça me semble logique. Et du coup, là, c'est Diverse World Co-op le premier. Ouais. Oui, c'est CLX, la fin. Ok. Je dis quand t'es prêt. C'est bon. Je suis prêt. Allez, on y go. Pareil. 3, 2, Lilou, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. 3, 2, 1, go. Pas le point de départ, jamais. Le drapeau de départ. Oubliez pas. Ok, il y a un panneau juste derrière. Je suis parti au nord, moi. Route 25. Je pars en nord aussi. Nesto. Eugubina en bas. Il y a des accents. Ah, Inesto E45. Il y a un accent sur le E et le I, j'ai l'impression. J'ai un accent sur le I, moi. Ah ouais, ok. Sur route... le non plus, en fait, je crois. Ah d'accord, ok. Ouais. J'étais trop loin, peut-être. C'est Agriturismo. Agriturismo, c'est pas de l'italien? C'est italien, de priori, okay. C'est italien. Route, c'est E45, hein. Où on est. Donc on est en Italie. Placez-vous déjà. Okay. C'est une erreur. Il ne faut pas retourner au point de départ, tout ça. Alors, chers amis, la chaîne. Ah, j'ai oublié. Ah, pardon. Bah, du coup, non, j'ai fait un. Bah, du coup, bah, je me guess. Aïe, aïe, aïe. Je me mets dans l'océan Atlantique, tant. Salut. Et du coup, nous, on doit guess aussi ou on peut y aller? Non, nous, on peut continuer. J'ai guess sans faire exprès. J'ai cliqué. Aïe, aïe, aïe. Oh, les problèmes. Et du coup, ça relance la partie. J'ai mis mon point après l'avoir fait sans faire exprès. Bah, du coup, j'ai mis mon point dans l'océan Atlantique pour être sûr de. Ah, quel plaisir. Aïe, aïe, aïe. Ok. Problème. Os problemos. Bon, là, au sud, c'est le vide, c'est le Mordor. Grande on route. On en a un au sud et deux qui vont au nord, c'est ça? Oui, deux attendez. Deux qui vont au sud et un qui vont au nord. Castello di Petroia, à 1200 mètres. Gubbio Fano. Gubbio Fano, les villes. Castello di Petroia. Attends, tu m'as dit E45, Xavier? Ouais. C'est quoi tes villes? Saint Cristina, Gubbio et Fano. Ok. E45. La E45, elle doit être trouvable en vrai. Attends, mais Castille. Je l'ai. J'ai Gubbio, vu. J'ai mon point sur Gubbio. Perugia, Roma, tout droit. Et Bicina, ouais. Fraticciola. Ça, c'est dans le centre, ça, c'est en Toscane. Ouais, ouais. Mettez vos points sur Gubbio. Il est très visible, il est à côté de Pérouse. Vous voyez Pérouse, vous allez au nord de Gubbio. Et il y a Gubbio. Attends. Je vais pas m'énerver. Pérouse? Ouais, regarde Pérouse. Mets-toi au centre de l'Italie. Au centre. Tu zoomes, Pérouse, et au nord, il y a Gubbio. Mets ton point à Gubbio, on n'est pas loin. Entre Rome et Saint-Marin. Ouais. Ok, merci. Gubbio, ouais. Ok, la E35, elle est là aussi? Ok, Gubbio, ouais. Oh, il y a tellement de routes, quelle vie. Ok. Saint-Christine. Mais là... Ah oui, non, mais les E en... Il y avait le château... Pour voir les E, je crois. Ouais. Ah, d'accord. Il y avait le Castello di Petroia à 2 mètres, donc enfin 2000 mètres. Après, Gubbio est vers le nord. Vers le nord, ok. Gubbio est vers le nord, du coup, on peut aller plus regarder vers le sud. Attends, j'ai encore des panneaux là. Fraticciola. Mais je l'ai vu, Fraticciola, sur la gauche. En dessous, t'as Fraticciola Selvatica. Si tu descends la route jaune principale au sud-sud-ouest. Okay. Il y a Bicina aussi près. Faut qu'on trouve Saint-Christina. Parce que Saint-Christina, ça a l'air d'être vraiment pas loin. Faut qu'on trouve sur la map. Christina. Et Saint-Christina, vraisemblablement, est vers l'ouest. Ok. C'est quoi ça? On est à Belvedere. Ah, Belvedere. Ah, nice. Okay. Commune de Gubbio. Donc on doit être plus proche de Gubbio. Ah, ok. Ah, okay. Alors, où Belvedere, Cipolletto, Fontesese. Okay, bon, c'est pas loin de Gubbio. Je cherche. Hein.
Ouais, je suis en train de chercher aussi. Edugello. Là, j'ai pas m'énerver. Ok, je me mets vers Gubbio. Je me mets vers Gubbio, ça va être le guess. Oh là là, c'est fini. 11 km. 8 km. C'est bien. On est bien. Mais c'était quand même plus bas. Hein. Il y avait ouais, c'était quand plus même bas, la commune mais... de Gubbio. Ça reste. Alors là, Antoine doit être au feu monté, à fait 1900. Qu'est-ce qui se passe J'ai un peu le seum. Hein. J'ai un peu le seum. Bah, normal. Encore à la base, JD, il voulait qu'en plus, ce score, on le divise par deux. Hein. Oui, je me souviens. C'est propre. Ok. Oh, ils ont de choc de l'autre côté. Ouais, là. Ils ont de choc, ouais. Ah ouais. Ah bah, du coup, à l'équilibrage. On continue ? Ou alors on putain, attend le bilo. Ouais. Non, on peut-être attendre leur point. Let's go, on attend ouais. Les Gubbio, ça nous a mis très bien. Ouais. On attend leur rat qui mettent les scores et on y va, ouais. JD était mieux. C'est marrant que JD fait un bon score, mais enfin un score correct et Antoine... Il a peut-être fait un retour départ. Ah ouais, peut-être. Ok. Ça va. Ah ça va, ouais, on tient. Êtes-vous prêts ? Ouais. 3, 2, 1, go ! Pas de retour départ. Départ, n'oubliez jamais. Pas. Je okay. Vais vers le nord, je vais vers le nord. Je vais vers le sud. Ah, mon cher c'était c'est écrit complètement en très certainement danois ou norvégien. Quel bonheur. Oh, c'est donc ça le bonheur. Attends, si les panneaux sont blancs et rouges, c'est Danemark. Attends, on a un grand lac énorme. C'est une Scandinave, ça n'a fait aucun doute, en tout cas. Grand lac énorme, là, à l'ouest. Enfin, c'est même plus qu'un lac. Ouais, ouais, non, c'est peut-être plus que ça, ouais. Des belles montagnes enneigées. Ok. Bah moi je descends E6. La côte. Je vois un panneau E6. Ok. Ah, E6, c'est en Suède, me semble-t-il. Narvik. Ah, c'est celle qui remonte. Ouais, Narvik E6. Ah non, c'est en. Oui, c'est en. Et il y a marqué Finnmark Shallon. Ah, Finn. F-I-2-N-M-A-R-K et Shallon. Narvik sur la E6. Il est tout au nord de la Norvège, Narvik. Bien, ah, bien. Il est au nord de la E6 et de la E10. Tout au nord de la Norvège, près de la Suède. Ok. Quand vous dézoomez, je vois pas. Oui, je vois Narvik. Ah, je la vois, je la vois. Oui, ouais. C'est à gauche d'Abisko. Ouais, ouais, je le vois, c'est bon. Bien joué. Okay. Le okay, 6 en effet. Par rapport à Narvik Alors, Narvik est vers le sud. Narvik est vers le sud. Okay. Ok. Donc il faudrait voir. Ah, bah si Narvik est vers le sud, ça nous laisse un champ de possibilités assez faible, hein, en vrai. Parce qu'on est vraiment. Ouais. Un peu au-dessus, en fait, vu qu'il y a l'espèce de gros lac qu'on voit à notre ouais. Nord. C'est vers le sud-ouest. Ouais, c'est vers le sud-ouest. Mettez vos points. De toute façon, il y a. Y a ouais. Vu qu'on a la flotte, surtout le. Attends. J'ai de la flotte au nord aussi. Et on est peut-être dans la baie là. Kirkenes vers le nord-est. Moi, j'ai toujours pas trouvé Narvik d'ailleurs. Est-ce qu'on n'est pas. Ah. Ah, si, c'est bon, je l'ai. Okay. Je me demande si on n'y est pas, parce que là, je vois de la flotte sur tout mon nord et un peu nord-est. Vous voyez Kirkenes ou pas parce Kirkenes que... Attends, moi j'ai ouais. Continué. Non, je vois pas. Juste, j'ai des nerfs bébés qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Beaucoup de pression. Il y a Skyaluft qui est juste à côté de la ville. Il veut pas aller là ? Le bâtard ? Il ne laisse pas continuer les quais. Ok. Skyaluft, elle est juste à côté. Genre vers le nord à peu près. Ah, oh, merci, un bout de pastèque. En fait, si on trouve Skyaluft, on est vraiment pas loin. Merci. Hop. Merci. Ok. Bah, j'ai rien là, je suis en train de longer l'eau. Ouais, Narvik encore. Narvik vers le sud-ouest, E6, E45. Attends, bébé. Compte sur vous, hein. Ok, on est beaucoup plus. La E45, l'E6 et la 45 se retrouvent tout en haut de la Norvège. Ok, donc on va tout vers en haut. Alta. Ah, oui, Alta. Il y a eu le croisement, vraiment, vous l'avez vu ? Vers le National Park. Tout en haut. La Bourgdalen National Park, quand vous dézoomez à gauche, ouais. Vous voyez le croisement entre la E6 et la E45. Ok, il faut qu'on trouve la ville que je vous ai. C'était quoi ? Je vous ai parlé tout à l'heure. Justement, j'y retourne. Ah, tout au nord ? Ah oui, Alta, là, ok. Skyaluft. Il faut qu'on trouve Skyaluft. Ah, on doit être à Alta, ouais, c'est pas. Ok. Ah, il y a un aéroport, putain. J'ai...
faut qu'on trouve ce qu'il y a où. Russelluft au-dessus de Alta, donc ça doit être peut-être un truc dans le coin. Ouais, n'oubliez pas qu'on a toute la mer au nord, hein. Bah ouais, donc c'est ça, oui, ça ouais, correspond forcément. Là, je vous avoue, je suis un peu. Faut que j'arrête dedans. T'es à Alta là, tu t'es ouais. placé ? Eh ouais, moi je me mets à Alta. Ouais. Ok. Et moi, je suis sur une énorme route. Ça parce que ouais, sur l'intersection de la E6 et de la E45, ça veut dire. Ok, que... ok. Oh, okay, on était dedans. Oh, ça va. 805 mètres. 681 mètres. Bien joué. Bravo. Bravo. Putain, ouais, on a été. On a bien joué. Bien vu, Bilou, l'intersection. Bien vu. Du coup, mon chat m'a dit de me mettre 0 comme je n'avais pas mis 2 points avant, et en fait, ils ont raison. Du coup, je me suis mis 0 points le round up. Le beau jeu. Espérons qu'ils soient un peu trouvés. Oui. Qui risque de nous tuer. Merci. Non, ils se sont trouvés là sur ce point. Il me fait gaver de pastèque. Ah, bah, très bien ça. Oh, on est bien là, on est vraiment bien. On est bien. Venez, au début, on fait la même chose que ce qu'on a fait, c'est-à-dire on annonce où est-ce qu'on part. Parce ouais. que là, ah oui, bien sûr. Ouais. Parce que là, on était organisé, on a tout de suite eu les infos, c'était bien. Sinon, on fait tout de suite une team. Parce que le point, il est toujours orienté, donc on fait la team devant, la team derrière. Quoi. Ah, clairement. Ah, mais oui. Bah ouais. Bah, moi, je vais derrière. Ok, je vais derrière. Pareil. Aussi. Ah, d'accord, je vais devant. Ah, ok. Ouais, ouais. Et MV monter la team devant. On confirmera quand même. Vous êtes prêts ? On y va ? Ouais. 3, 2, 1, go ! Go. Ok, donc je vais un peu à droite et j'avance sur le pont. Ouais, du ouais. coup, ouais. Non. On va à l'ouest. Nous, on est au croisement d'un fleuve. Ouais, ok, la 21, sortie Sintava avec un accent sur le S, là, l'accent circonflexe inversé. C'est là. En tchèque, a priori. Ok. C'est ah oui, ouais. Je pense. Et les panneaux me disent quelque chose, en effet. C'est vraiment... Tu sais, t'as vraiment l'impression d'avoir Google sur alors, oh, il y a plein d'infos, là. Nitra est en Slovaque. Non, Nitra est en tchéquie ou en Slovaque. Nitra, ça forme. Choporna. Sintava, c'est là. Vers la sortie 16. Ouais, sortie 16 d'Olna Streda. Et on a. Nitra, Bratislava. 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 On est sur la Slovaque. R1. On est sur la N1. La R1. C'était du Tchèque, c'était du Slovaque. Oui, c'est ça, ouais. Direction ouais. Bratislava à l'ouest. Ouais. Ah, d'accord. Et Nitra, et nous, moi, de l'autre côté, on va à Nitra. Nitra avec une sortie bifurque sur la 62 et la 500. Ouais. Alors moi, 73. 62 et 573. Ouais. Ah, ça c'est pour Sintava, celle-là. Je pense que je l'ai. J'ai la croisement entre la E58 et la 62. Ouais, Slovaquie. C'est la Slovaquie. Ok. Okay on était sur un grand fleuve, non ? Ouais, au début, là, il y a le pont. Ah oui, putain, j'allais faire autour. Parce que en fait, il y a la E58 croise un espèce de lac fleuve. Et je pense qu'on est ici. On doit être dans le coin. Attends, je suis où là parce que je suis. C'est ça parce qu'on est à côté de la ville qui s'appelle Dolna Streda. Ouais, E58. Oui, bah c'est là. Bah alors, on est voilà. au-dessus du fleuve, c'est sûr, sur la E58 quasi. Ouais. Attends, je suis sur la E58 et c'est où ? Parce qu'après, il y a la sortie 21 qui est indiquée chez moi. Attendez. Est-ce que vous pouvez nous dire ? On est sur la E58 et Nitra, on est près de Nitra ou loin de Nitra ? Non. On est pas très loin. Alors, pas très je vais te guider. Alors mets-toi sur Nitra. On est sur Nitra là. Bilou. Sur la ok. Est-ce que tu vois la ville Bab sur l'ouest ? Je la vois, ouais. Voilà. Maintenant, tu vois le fleuve là à côté. Ah oui, si Bab, ok. Le gros fleuve là. Voilà. Si tu zoomes un peu, tu vas voir Dolna Streda. Ok. Je la vois, ouais. Voilà. Et à côté de. Au sud-est de Dolna Streda, t'as vu ? Il y a la E58 qui traverse le fleuve. Ouais. Il y a un truc voilà. qui est ah, ça, oui, ok, ok. Oui, E58, R1, ouais. Ok. Ouais, et tu te mets dedans. Ok, pour l'instant. Il y a un voir. Truc qui est bizarre, c'est que moi, la sortie qui est indiquée la prochaine est une sortie qui. Ah non, non, quoi que non. Juste avant le fleuve, parce que nous, on est parti vers le nord-est. Non, hein. Mais on est sur le fleuve, je pense, on est alors, au milieu du fleuve et ouais. sur le pont. Ah, d'accord, vous aviez du fleuve aussi E58, okay. le fleuve, ouais. entre Dolna Streda et Choplonia. D'accord. Alors, où on était par rapport au. Alors, au milieu. Je suis au point de départ. On était. À peu près à 3/4 du pont, donc un peu plus reculé okay. vers le sud. Le nord. Okay oui, c'est ça. Vers le nord. Ah, vers le nord. Ouais, vers le nord. T'es retourné comment Juste pour un peu, t'es retourné comment Bah, manuellement. À pied, non. Je suis allé à pied. T'inquiète. Bon, on met là. De toute façon, on est en world, donc ouais. on est large. On met là ou pas Yes On guess ou pas Bah, je pense qu'on. Ouais, on a rien d'autre. 5000. Ok. 5000, ouais. Bravo. Ah oui, et la synchro. La et synchro. Ah, ils l'ont fait aussi, bâtard. Bien sûr.
On a plus d'avance avant. Bien joué. Et ils l'ont fait aussi. On enchaîne. Yes. On est chaud. Faut enchaîner. Est-ce que Rivenzi va pas faire 5000? Est-ce que Rivenzi... Ah, ça serait incroyable. Oh, j'ai mis ce clic. Ah non, c'est... Ça aurait été l'événement. Ok. Ready? Yep, yeah. Je suis. Allez. 3, 2, 1, go. Je suis la team derrière. Ok, devant. On va vers le nord. Ouais. Ok, j'ai fait un check. Il n'y a pas de pot d'échappement ni de scotch. Qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a Salto au sud. Ok. Ouais. Bon, Amérique, hein. Ouais. Termas a la pes. Quelle langue ça pourrait être? Plus de l'espagnol, je pense. Ouais. Oui, il y a des chances. Oh, cette route infinie. Jaune, j'ai vu une ligne jaune centrale, on doit être en Amérique du okay. Sud. Ok. Ah, attendez. Beau et quoi? Kilomètre 552? Ah, sur la 3. La 3. Ouais, sur la 3. Ouais. En mode pentagone, mais ok. Bye quoi. Arapay comme info. Bébé. Ah, pitié. Termas de Arapay. Ok. Termas de l'Arapay. Allez, j'avance. C'était un animal mort que j'ai eu? Probablement. Non. Non. Ça va. Ne fais pas ça. Jamais. D'accord. Il y a Bella Union au nord. Tiens. Ah oui. Salto, ça me dit trop un truc. Avec ça. Si vous entendez l'harmonica. Bella Union? Bella oh, Union, ouais. Ça me dit quelque chose. Non mais on confond peut-être avec Bella Union. C'était Salto ou Salta? C'était Salto. Salto, comme le service de streaming de France Télévisions. Énorme. Bélène. Ok, toujours. Vive France Télévisions, bien évidemment. Ok, c'est bon. Le bébé est élitroyé. Alors. Donc Bélène, Bella Union, ouais, tout droit. Allez, toi. Alors moi, j'ai Auxiliaro, mais... Ah non, mais... Non, rien. Oula. J'ai Rio, Arapay, Grande. Et attendez, c'est pas le panneau typique de l'Uruguay, ça? Attendez, je vais chercher en Uruguay, parce qu'en fait, c'est un panneau... Je l'ai. Allez, zoomez sur l'Uruguay. Ouais. Termas del Arapay, au nord-ouest. Zoomez. Termas del Arapay, il est visible. Il y a ça. Je vois, je suis dessus. Ok, j'y suis. Effectivement. Ouais, voilà. Bella Union en haut, ok. Ah, et Belen. On est sur la 3 plutôt. On est sur la 3, ouais, on est sur la 3. Ok, ah oui. Termas del Arapay était vraiment pas loin. Donc, on peut se mettre. Est-ce pas que vous loin avez passé un fleuve? Attends, mais j'ai un croisement. Tout à fait, on a croisé un fleuve. Ouais. Attends, et là, j'ai un gros virage, je suis un croisement avec une route. Ouais, une route qui part à l'ouest. Je vais à pied et je retourne. Ouais, je vais faire pareil. Je vais vers le sud, c'est bien normal. Parce que là, moi, je vais de haut vers le nord, et quand je vais vers le sud, je vais vers Termas del Arapay. Donc j'ai bien envie de me mettre... Vous voyez la frontière entre Artigas et Salto? Ouais. Et bah, oui. Il y avait un panneau qui parlait de Artigas, et juste après, on a vu le pays Salto. Enfin, l'état Salto. Donc peut-être qu'on n'était pas vraiment loin de en ça. En Belen, ça me dit à gauche. Ouais, ça m'indique Salto plus loin. Effectivement, Salto est un état, donc ouais. Salto à mon sud. Ouais. Parce que là, je reviens vers le nord. Salto, ça m'indique. Je reviens vers le nord et moi j'ai à gauche Belen, tout droit Bella Union, donc je me demande si c'est pas ouais, au sud et de Belen. Vous avez vu, c'était vraiment pas loin de... On était vraiment pas loin de Termas del Arapay, on voyait des panneaux on Termas del Arapay. On peut sur la 3 de Termas del Arapay. On peut tenter le croisement. Moi j'ai l'impression qu'on est à l'est de Belen, non. Mais... Moi je serais chaud de le tenter. À l'ouest de Belen. On est à l'est de Belen. Voilà, à l'est de Belen. Oui. Et en fait, là, j'ai la route qui mène, tu vois, une des routes, celle qui est au sud d'est de Belen, qui mène vers Belen. J'ai ce croisement-là, en fait. Est-ce qu'on n'irait pas au croisement comme DMV? Mais genre entre les deux croisements. La 3 est vers Belen. Moi, je dis entre... On a croisé un petit fleuve qui doit être le fleuve frontière entre l'Artigas et Salto. On l'a croisé pas longtemps après. Oh merde, cool. C'était fini. Ah, c'était vous aviez raison. C'était en dessous, ouais. Okay. My bad. Bon, c'était bien. En vrai, on a quand même... Ah, mais on aurait pu combo. Ils ont fait 5000. Ils ont fait 5000. C'est bad. Non, mais ils ont pas le bonus. Du coup, c'est bon. On est devant. Oui. On est totalement devant pour l'instant.
Ah, my bad. Non, mais ils ont des points bonus d'or. Ah non, ça ne marche pas en équipe. Non, ça ne marche pas en équipe. On enchaîne ? On est bien. Ouais. Yep, êtes-vous prêts ? Oui. En 3, 2, 1, go. Allez. Je pars à l'est. Je vais vers l'ouest. Est-nord-est. Je suis parti okay. vers le nord, nord-est. La route 130, Corcovada d'un côté, Atillo Centro de l'autre. Rotulo Atillo avec un H. Ah, Santiago Chili. Ah. Je sais pas. Je sais pas, il y en a beaucoup, hein, il y en a rarement. Ouais. Ah, j'ai Agadilla à 42 km. On est à côté d'un McDo, sachez-le. Ça sera important par la suite. Ouais, c'est vrai que ce sera important. Camui 2 km. Ah, International 130, hein. C'est la route où on est. Ok. Ah, de ce côté-là, il va y avoir beaucoup de choses. J'ai un rond-point énorme. Arecinho, Aguadilla. Ok. Moi j'ai des drapeaux. C'est de Mobos. On est à Atillo, hein, c'est la ville où on est. Ouais, Camus. Moi j'ai des drapeaux. Et je me demande si on n'est pas Porto Rico. San Juan d'un côté. Oh, montre-moi Willy, je le connais, drapeau. Bah attends, il y a San Juan d'un côté. Triangle sur le côté avec étoile bleue au milieu. Chili. Bleu blanc. Bande rouge, bande blanche, bande rouge, bande blanche, bande rouge. Ah, ouais. Ok, et il y a San Juan d'un côté, donc ça roule. Puerto Rico. Et on est à. Agadilla, on le voit, il est tout à gauche de l'île. Agadilla. Mais on est à, ouais. Et on est à Atillo. À Atillo et on est sur H. La 130. À 130, ouais. Atillo. Non, ah, non. Mais on n'est pas à Agadilla. On est à Atillo. H A T I 2 L O. Ah oui, t'es à 42. Ah, au nord, plus au nord, à côté de Quebradilla, c'est Arecibo, entre les deux. Au nord-ouest, nord-nord. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Je suis dessus aussi, on est sur. Vous zoomez sur la 130, vous cherchez le McDo. Répétez, s'il vous plaît, j'ai pas eu l'info. Sur la. Ouais. On est tout à gauche de Arecibo. Ouais, t'as Arecibo qui est assez grand sur le nord-nord-ouest. Et à gauche, t'as Atillo. H avec un H. Moi, je vois la 130, elle est croisement avec le Pizza Hut en dessous de Barria Daclan. Ouais. Quand ouais. Ouais, y a le Pizza Hut. Et donc, il y a un McDo sur cette 130. Oui, et... juste au nord du croisement, juste après le croisement, à droite du croisement. Bon, après, là, on est sur... Ah oui, le McDo Arecibo, Arecibo. Désolé, je sais toujours pas où c'est Arecibo. À côté d'Arecibo, c'est... Là, je suis à Aguadilla. Par rapport à Aguadilla, c'est où Arecibo ? C'est sur la face nord, c'est sur la côte, nord-est. Le littoral nord. Ouais, le... littoral nord. Nord-ouest. Nord-est. Enfin, au nord-est de Agadilla, mais au nord-ouest... T'as Quebradillas dans un premier temps, encore à l'est de ça, t'as Atillo, H-A-T-I-2-L-O. Ah oui, je vois Atillo, ouais. Ok. Donc tu zoomes sur la grande route. Ça s'appelle la 130. Il y a la 2 et la 130. Ok, alors moi je vais revenir vers le début. Et je vois pas le McDo par contre. Le McDo, il était au début du point de départ. Ouais. Et je vais retourner en arrière. Ah ouais, ok. Est-ce qu'on se mettrait pas en face du McDo ? Ah non, mais je suis plus... Franchement... C'était vraiment proche du McDo, hein. Après, il y en a peut-être plusieurs. Ouais, c'est ça le truc. Attends, parce que j'ai vu autre chose. On est complètement sur cet axe, en tout cas, il est super... Attends, merde, je suis en train de revenir. Je suis pas parti de mon côté, je me déplace. Je vais pas faire retour, hein, vous inquiétez pas. Ah non, ok, j'ai fait de la merde. C'est pas de là que je venais. Justement, on l'a croisé la 130 en tout cas. Ah, on est sur la 2, je pense, mais on a croisé la 130. Je pense qu'on est sur la 2 et qu'il y a le McDo juste à côté, ouais. Et ouais. On est parti vers où, nous ? Vers l'ouest, hein ? Ah non, je pense qu'on est en face du KFC. Le Pizza Hut. En fait, on est en face du Pizza Hut, je pense. On est vraiment à l'intersection. Hein. Moi, je nous mettrais à l'intersection, hein. Je pense que ça suffit. Ah ouais ? Parce qu'au départ, au point de départ, j'ai... Ok. J'ai à peine avancé, j'ai vu le McDo, c'est pour ça. Vraiment à côté, on était vraiment à côté du panneau de la 130 et j'ai regardé, il est juste à côté du croisement. Donc on se met quoi ? Au-dessus du Pizza Hut ? Ouais, ouais, je me mettrai là, moi. Ok. Allez, vas-y, je guess. Vas-y, guess. 180 mètres. Ah, tu vois, il y avait le McDo. Ah, ouais, c'était entre les deux. Tu vois, c'était plus près du McDo, quoi. Ok. Bah, ils ont fait... JD a fait 5000 aussi. Bien joué. Par contre, bah, le 0, quoi. Bah, on a gagné. Voilà. Ça nous met dedans. Et ça nous fait un... Bien joué, les gars. Bien joué, c'était pas mal. Bien joué, les truites. Putain, si j'avais pas fait le 0 au score solo, j'aurais pu récup, mais... Et ils sont dans le général. Aucun problème monté. Ok, on se retrouve dans le général, ouais. Est-ce qu'elle rentre ? Ah, c'est sur le deuxième round où on s'est fait. Deuxième. Fait un petit drapeau. Tout à fait. On n'a pas empêché de gagner très très largement. Par contre, au score individuel, ça me met dedans 10 000. Oui.
Oh là là. Là. Ah, bravo à vous. Hein. Bravo, bravo. Le drapeau de Puerto Rico. On a fait les 5000 aussi sur le dernier, mais voilà. Ok, je vais tirer le, dé. Ouais, ok. Ah, mais c'est en Europe maintenant. 3 minutes et demie. Okay. Voire 2 minutes 30. Aïe 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 aïe. 2 minutes 30 parce que je tombais sur 5. Donc 2 minutes 30 en Europe. Prendre la map speedrun donc. Farabin. On a 2:30 en Europe. Ok, ça va galérer. Hein. Okay. TV, ouais. La fin de la map. C'est chacun dans notre coin quoi. Ok. Enfin, on parle. Non, c'est tous ensemble. En équipe, en équipe, en équipe. Rivenzy n'écoute pas, il s'est encore muté. Ah non, voilà, Rivenzy est là. Oui, oui, je suis là, je suis là. Donc c'est speedrun Europe pour info. Celui qui termine par YTE. Non, mais non. TV, TV à la fin. RTV. Ouais, c'est celui qui s'arrête par... T'étais dans le backup, ouais. Bon, ah oui, ok. YTE, ok. Non, justement, RTV, RTV. RTV, RTV. RTV, RTV. RTV, RTV. RTV, attends, je le trouve pas. Ok, trouvé. 2:30, donc. Ah oui, c'est les backups, ok. Mais non, pas le backup. Non, non, justement, j'avais pris le backup, mais non, non, c'est bon. J'ai RTV, pas de problème. Bon, on se téléporte, donc. Ok. On se remet dans l'équipe 2. Courage, ouais. Ok. Incroyable. Bon. Là, je peux cliquer sur le drapeau. Oui, on a le droit à tout. Ok. Êtes-vous prêts? Oui, on peut cliquer sur le drapeau. Attends. Oui, je suis prêt. Ouais, c'est bon. Donc, sur toi, monter. Vas-y, lance étoile, t'as l'air chaud. 3. Qui c'est qui fait le décompte? 1. Ouais. C'est parti. C'est lui. Ok. Ok, je pars devant donc. Je suis parti vers le nord. Ouais. Oh là 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 là. What the fuck? C'est un cul-de-sac ou ouais, c'est un cul-de-sac? Enfin, le nord, c'est un cul-de-sac, fais gaffe. Ouais, j'ai bien envie de 500 litres. Non, non, je pense. Quoi ouais, cet endroit? Le bordel. Nous sommes en Italie, c'est sûr. Italie. Okay. Ouais, via Platone, ouais. Via Trento, moi quand je suis allé tout droit, et Tripodi. Et via RC Palmi. Ah, attends, t'as dit R. Italie A3 Palmi. RC, ça correspond à quoi? C'est une province en fait. Ça doit être une province, mais laquelle je sais plus. Ils sont pas indiqués sur. Le principe des noms de villes, on peut savoir. Ok. On est dans quelle ville juste? Vous avez les noms de la ville? J'ai pas. Non. Je suis en bordure de ville. J'ai peut-être. Ah, il y a un petit cours d'eau d'ailleurs. On est dans la province de Versailles, on est à Gioia Tauro. Ouais, Gioia Tauro, ouais. Ça? Ah, vous le placez déjà? Ah, c'est Reggio Calabria, RC, je suis un ouf moi. C'est tout au sud. Ah, je le vois. Tout au sud, ouais, à la pointe de la botte. Ok, j'y suis. Et Gioia Tauro, c'est juste au-dessus de Reggio Calabria, de la ville. Ouais. Ok. Vous l'avez ou pas, Bilou et MB? Moi j'ai Reggio Calabria. J'ai Reggio Calabria là. Moi je suis à Gioia Tauro. Et ben juste au-dessus, il y a Gioia Tauro. En zoomant beaucoup alors. Yeah, je vois. Pas de ouf en vrai, c'est une assez grande ville. Ok, je suis aveugle donc. C'est sur la SS18, tu remontes la SS18 de Reggio, Reggio Calabria, enfin de Reggio de Calabria. Et tu tombes sur Gioia Tauro. Au-dessus de Palmi, juste au-dessus de Palmi. Ok. Je cherche la Via Platone. Ah, mais je suis... ah oui, d'accord, beaucoup plus haut. Moi, je cherchais dans le local. Ok. Donc, on avait les rues, mais ça va être compliqué. Ok, donc là, je suis près de la flotte. Donc, on était plus proche de la mer que le contraire, je pense. Il y a Via Diaz. Alors via, moi j'avais via Trento, via Tripoli. Ah la via F Tripodi, vous la voyez si, vraiment centre de la ouais, ville. Je la vois, la via F. Ok. Où, je la vois pas. Tripodi, je la vois aussi. Ah, F Tripodi. Je la Toro, je la vois aussi. Il y avait la via Trento que j'ai vue, c'était le En fait, en allant tout droit, j'avais le croisement Tripodi et Trento. Trento, je la vois. Et nous, c'est quoi là, cette recherche là, quoi? On est à la croisement de Diaz et d'autre chose. De Via Diaz et de... Ah merde, c'est déjà fini. 450 mètres. Ouais. Ah, j'avais pas vu que c'était... Ah oui, ça va tellement vite. 4996. Ça va, c'est... Ça va, t'es correct. Bravo. Oui. Oui, 2:30, c'est vénère. Ok. 2:30, c'est... On va attendre les autres. Je relance mon gacha. Oui, c'est vrai qu'on peut drapeau, je suis con. Je vais rester là, prostré sur mon point. Combien de bah ouais. Ah ouais, là là. Aïe aïe aïe. Ah non, Rivenzy. C'est Timmy's click. Du coup, ouais. C'est bon, on est devant. Ah. Est-ce que certains se tirent les cheveux, vous pensez, de l'autre côté? Oui.
Probablement. Parce qu'il y a un tirage de cheveux. Bon bah on enchaîne. Qui va ressembler à un moine avant la fin. Je suis chaud. Yes. Je suis prêt. On est bon ? Ah non, pas le poulet bébé. Oui. 3, allez. 2, 1, go. Quelle vie ? Je vais vers le sud. Tout droit, ouais, pareil. Je vais vers le nord. Ne soyez pas déconcentrés. Montez. Ça ressemble à la Belgique. Ouais, Knaller Corsel. K-N-A-2-L-E-R. De toute façon, moi j'ai... Ah putain, Dusseter Farden. Ok, ça c'est du... nous sommes au Danemark, nous sommes probablement d'ailleurs à Fredericia qui doit être... Ouais, je viens d'avoir écrit Fredericia, ouais. Qui okay. doit être... J'y suis allé, putain, c'est dans quelle partie de la ville ? C'est dans la partie continentale, quasi sûr. Oui, c'est au croisement. Ouais. Vous voyez la grosse île, la grosse île du Danemark, là ? Ouais. Et ben on est là, ouais. On est là-dedans, on est dans ce... Ah ouais, le speedrun. Ah ouais, je vois Fredericia, ouais. Je suis dedans, j'ai mon point dessus. Sachant que j'ai mon lit, il y a le littoral, moi, tout le long. Frédéric Schaven, c'est ça ? On est au bord de l'eau. Ouais, on doit... Ok, ouais, ouais, j'ai... On est au bord de l'eau. Oui, moi aussi, ouais. Ouais, le littoral est à l'est, ouais. Fredericia Kaya Club, Damero Club, ok. Alors, l'eau qui est à l'est, ok. Hop. Bah, je vais retourner au point de départ, hein, je pense. Ouais, on est au croisement de la Fasting Allen. Fasting Allen. Ouais, là je suis au bord du littoral et je vais voir où il est le point d'observation. Non, c'est en allant au sud. Ah, il y a un tout petit... Toute petite mare direct. Je viens de croiser le canal, donc le canal, je pense que c'est... Ouais, le canal, c'est ça. En vrai, ouais, donc... C'est quoi le nom des rues, déjà ? Fasting Allen. Le croisement de la Fasting Allen. Fasting Allen, ouais. Waouh. Qui mène vers le nord-est, à peu près. Moi, j'ai pas... Moi, je me suis mis vers le canal, là, littoral canal, je me suis mis par là. Attendez, je le vois pas. Moi, je me suis mis vraiment bord littoral et il y a un petit canal qui fait plein de petits zigouigouis. Je me suis mis là pour l'instant, mais je sais pas si on est là. Je vois même pas le canal, je suis pas m'énervé. Ça fait des petits accordéons. Ok. Ah oui, ok. Enfin, je crois que je mets. Il en reste 15 secondes. Je l'ai pas. Je crois qu'on s'est mal compris. Au milieu de la ville, hein. Non, en vrai, je me mets là. Du côté de l'est, quoi. Ouais, c'est ça, nord-est. Ah, je sais, on l'aura pas. Vraiment, mettez-vous au bord du canal, bord canal. Voilà, alors, j'ai tout merdé. En fait, moi, j'ai compris Frédéric Schaven, et c'est pour ça, parce que je l'ai déjà eu. Non, aïe, aïe, aïe. 5000 points. Let's go. Ah, j'ai eu 4904. Bah, mes excuses. J'avais bien dit au Danemark. Mais oui, j'étais au Danemark, mais tout au nord. Ah oui, non, mais tout en. Ah oui, t'es tout au nord, toi. À Frédéric Schaven. Frédéric Schaven. Ah mais on pensait croisement, c'était vraiment au croisement avec l'île, justement la grosse. Oh non, le quiproquo. Allez nous hurler dessus, faut nous dire mais fermez vos gueules. Ah ouais, très bien. Bah c'est pas grave, MB, on est désolé. Mes excuses à toutes les familles. Ils ont pas trouvé de leur côté. Oh quel con, putain. Ah oui, en plus, ouais, le canal, ouais, je me disais, je le trouve pas, c'est chelou. Ah oui, alors que là c'était archi lisible, ouais, en effet. Oh, yeah, ok. Désolé. On est quand même premier. Let's go. On est parti. Aïe. C'est le nerf bébé et le poulet. 1, go. Oh là là. Ok, tout droit donc, au nord. Je suis parti vers le nord. Ah oui, je vais vers le sud, moi aussi. Oui. On dirait la France. Oh ouais. Oui, c'est vrai. On est en France. On est en France. Alors, écoutez, il y a plein d'infos. Et se touche. Oh, Pithiviers. Attendez, je connais Pithiviers. Ah, Pithiviers, je connais aussi. Je connais. Putain. Alors, bah tu mets le doute parce que moi je serais allé au sud, centre-sud, moi je serais allé mais... Non, Pithiviers. Non, je me souviens plus. Étampes, moi j'ai... Étampes c'est où déjà ? Étampes c'est en Normandie, je sais pas où. Je suis aujourd'hui Étampes. Ouais, attends, tu dois avoir... Bon. Merde, mais Pithiviers, nom d'un fion, oh... Mais... Je vais le trouver. Étampes, non c'est au sud de Paris, près de Montargis, Nemours et compagnie. Pithiviers, Étampes, sud de Paris, à gauche du parc naturel régional du Gâtinais. Et en dessous, il y a Pithiviers. Il y a Étampes et Pithiviers. Effectivement. Ouais, voilà. Okay. Donc là, nous, au rond-point, on n'a qu'à regarder quelle route on a au rond-point, la D48. C'est la J. D49. Ok. Et D18. Attendez. J'ai pas Pithiviers. J'ai une épingle au chien. Pithiviers, au sud des Temples. Moi, j'ai la 49 et la 145 dans le nord. Oh, mais voilà la D49.
Tu vois, et Pithiviers, c'est entre Orléans et Étampes, en fait. Ouais. Ah, Étampes, okay. C'est en dessous de Versailles, tu vois. Ah oui, ok, ok, my bad. Ok. Il y a ce grand virage. Okay. Je vois où on est, je vois le rond-point où on est. T49, la classe. Moi, j'ai la 49 et la 145 aussi, c'est juste... Oui, ouais. C'est juste à la frontière de l'Essonne et du département de merde, là, je sais plus. Et du Loiret, c'est entre Estouche et Merville. Estouche et Merville. Ouais. Je les vois pas. C'est vraiment frontière des deux départements. C'est entre Étampes et Pithiviers. Ouais. Presque au milieu, okay. Vous voyez. Ah oui, d'accord, ok. Et à gauche, vous avez... Je suis dessus. D18, D49. Estouche, je ok. Je pense qu'on est... On croise une petite... Je pense vraiment qu'on est vraiment à la frontière du département. Vous voyez, ouais. On va mettre à la frontière du département. Ouais, parce que... On a croisé le chemin des vignes. Ouais, ok. Oui, oui, on est juste au-dessus. On part vers le nord. Il y a la petite maison, etc. Ouais, donc je pense, mettez-vous aux frontières des deux départements et ça devrait être bon. Je me suis mis là. Ouais. Bon. Attends, bah guess d'abord. Ah bah on a 4 secondes. Allez, go. 14 mètres. 1 mètre. C'est bon. Bravo. Bravo l'équipe. 1 kilomètre. Non! Si. Oh non! Non, mais... Pas le wombo! La frontière! J'ai cru que c'était la frontière le truc! Mais c'est la frontière, je suis à la frontière en fait! Mais oui! Oh Bilou! Viens voir sur mon stream, je suis à la frontière, je te jure! Mais mettez points! Ah, peut-être pas sur la bonne route. Sur la D49? Oui, peut-être pas sur la bonne route! Au sud du. Je suis au sud du rond-point, pas au nord! Mais vous êtes pas sur la frontière en fait! Zoomer, c'est pas une frontière, votre truc. Ah, c'est une ligne de chemin de fer. C'est moi la frontière. Ah oui. En fait, tu tiens la vraie. C'est vrai, c'est désolé, c'est moi qui ai induit en erreur. Mais du coup, effectivement, on est entre le chemin des... Ah oui, le rond-point est à la frontière. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est bon. No problem, baby. Pas trop grave. On est reparti. Ouais. Yeah, let's go. 3, 2, 1. On est reparti, l'équipe, on part. Derrière. On part au nord donc. Oh, même si j'ai direct il y a des. Ouais. Bormel. Donc oui, Bonnet, Bormela. Café Colibri, c'est écrit. C'est beau. Café Colibri, magnifique. On part en nord. Il y a du sapin, il y a de la petite tuile comme ça. Alors. Putain, on se tape pas des pays nuls encore, ça va, faut savoir. On a de la chance. Ça a l'air d'être l'Europe un peu facile. J'ai aucune info là. C'est quoi ce drapeau? Bon, je pense qu'on est en Espagne. Moi, pour moi, on est en Espagne. Ouais. Pour moi, on est en Espagne, c'est sûr. C'est quasi sûr. Les panneaux sont blancs. Ou peut-être au Portugal, mais ces panneaux sont blancs. Ouais, ça me rappelle aussi. Ouais. Je sais pas, j'ai 0 indice pour le moment. Moi, on a 0 info avec Bilou. On est. Non, nous sommes au Portugal. Ah, c'est bien ça. Je me suis fait TP, je sais pas où je suis désolé. On est au Portugal, complètement au Portugal, c'est écrit en portugais. Le reste du Portugal alors, non? Mais je sais pas où au Portugal. Mondim, zone machin municipal de Mondim de Basto. Ah mais y a une map de la région, oh là là. Ouais, mais non, elle est pas dessinée. C'est une map de la forêt de merde. Ouais. Bairro Novo. Mais attends, c'est... Non. Une ville Bairro Novo. Ouais, j'ai le même panneau avec... Moi j'ai Ribera de Pena. Ribera de Pena, nous sommes au Portugal donc. Attends, c'est évident. Tu m'as dit qu'il y avait la A7, Bilou ? Ouais, Bairro Novo avec un panneau A7 à mon nord. Le... Faut pas que j'essaie de trouver la. Okay. Ok. Je trouve pas la A7 moi. Je la vois pas non plus, je vois la A6, la A9, mais je vois pas la A8. La 8, ouais. Enfin, faut que je me balade, putain, je me suis la A7, elle est dans le nord. J'ai et Ribera de Pena, je l'ai aussi d'ailleurs. Moi, j'ai le bête dans lequel on vient. C'est dans le nord, vraiment sur le. Vraiment vers le croisement A7 à 24. A 24, je la vois. Oh la 24. Ah, la 7, je l'ai, ok. Donc, Ribera de Pena, j'y suis. Entre Villarreal et Chavez. En roulant vers le. Vers Ribera de Pena, je vois, ouais. Dis-nous par rapport à une autre ville, parce que par rapport à Villarreal, on est où? Entre Villarreal et Vidago qui est au nord. Ouais, au nord de Villarreal. Et t'as Villa Puca de Aguilar qui est à Aguilar. Villa Puca de Aguilar, là. Bah, c'est A7, tu vois. L'A7 ouais, est là. À gauche, t'as Ribera de Peña. Ah, je suis dedans. Mets ton point dans la région, de toute façon, il y a 5 secondes là. Mets ton point dans la région. On était à un bled qui s'appelait Bormela, mais ouais, bon, bref. Mais on est pas loin. 11 bornes. C'est parfait. C'est bien, j'ai fait 11 bornes. Non, on doit pas être dans le bled. On était. Ouais. On est bien.
En fait, le truc, c'est que on était... Ah ouais, on était... Oh, c'était presque un trou. Ouais, wow, mais c'était même pas marqué. Ouais, avec c'était les infos qu'on avait. La N312. On a fait, je pense, qui... Oh, ils étaient tout pro... Ah non, ouais, je regardais leur précédent. Ok, ils ont fait moins bien. Ah, ils se sont plantés de yes. Ah oui, dur. Putain, mais quel connard au Danemark. Ok. The last one. 30, c'est chaud, hein, quand même. Ouais. Moi, je suis chaud. Ouais. Je suis prêt. Merci. Donc 3, 2, 1, go. Tout droit, donc, nord-est. Je pars vers le sud. Je pense qu'on est en Ukraine. Parce qu'en fait, il y a une espèce de panneau où il y a les couleurs du drapeau ukrainien. Ok, placé c'est déjà. En cyrillique. Là, c'est qui Stoyanise. Stoyanise, magasin, bar, on s'en branle. Il y a une église, ah, quoi, ça une grosse église. C'est des infos, ça. Ah, monter, faut que tu retournes, monter. Faut que tu retournes. Ah, si tu vas au nord, il y a aussi... Ouais, au nord, il y a deux trucs. Deux villes, les 67 et 38. Au nord-est. On part vers le nord. Okay. Et en fait, il y a un panneau, il y a écrit en cyrillique, deux villes. Il y a deux villes, ouais. Ville, ouais. Y a écrit vous avez croisé une voie de chemin de fer ou pas? Ouais, voie de chemin de fer. Ok, et c'est... Lutsk et... Et juste derrière ce panneau, il y en a un autre retourné. Juste derrière ce panneau, il y en a un autre tourné. Ah, okay. Je crois qu'on est dans la ville de Stoyanif. Stoyanif, c'est où? Je sais pas, mais c'est le panneau. Ouais, c'est ça, Stoyanif. Ah, oui. Ensuite, c'est le Mordor. Y'a plus rien. Au nord. Et y'a une autre ville. Attends, mais on est en Ukraine, je pense, non? Oui, on est en Ukraine, je pense. Ah, voilà. Mais vous avez vu ok, Lutsk, je la vois. On est dans la partie gauche de l'Ukraine, dans la partie, okay. La partie tout à gauche de l'Ukraine. Ok, Lutsk. Et on est à 67. Lutsk est à 67 bornes, 67 bornes au nord. Ok. Ok, donc on trouve Stoyanif. Mais attends, il y avait pas le pot de chaîne. Attends. De l'autre côté, tu t'as vu Stoyanif, c'est à la frontière. C'est à la frontière des deux départements. C'est en dessous de la frontière des deux départements sur la H17. Sur la H17. Ok, ouais. Les deux oblasts, je l'ai. H17. Entre lesquels d'oblast? Parce qu'il y a plusieurs frontières d'oblast. Au sud de Lutsk. Sud-ouest. Sud-ouest, t'as Stoyanif. Entre Voligny et Rivne. Entre Voligny et Lviv. Oblast de Lviv. Ah, entre Lutsk et Lviv, vraiment pile poil. T'es de l'autre côté, toi. Okay. Bah, entre vraiment pile poil okay, entre Lutsk et Lviv. Ok. Et Stoyanif. Entre Lviv et Stoyanif, donc on a l'air d'être là-dedans. Et chez vous, un peu au-dessus de l'église qui est en bas de Stoyanif. Au sud de Stoyanif, okay. Vous voyez l'église? Ouais, l'église, ouais, ouais. Costel, machin. Ouais. C'est là, pas trop loin. Ok. Allez, go. 995 mètres. 400 mètres. 300 mètres. 600 mètres. Parfait. Bien joué. Bien joué. Putain, on a été chaud. Hein. Bravo. On monte dans le général. C'est bon, ça. Alors, c'était... Ouah, 98 000 sur 100 000. Pas mal. Bravo. Bravo. Ah, c'était un beau round. En fait, on est organisé de fou. Ouais. Parce que je pense qu'au niveau flat, il y a une diff. Parce que, en fait, quand on a équilibré les équipes, moi, on m'avait dit que le niveau, par exemple, de Rivenzi et Guz était pas loin, tu vois. Et en fait, ils sont quand même plus débutants. Enfin, je pense qu'ils ont moins l'habitude du jeu. Là, ils sont dans le channel là-haut, hein, si on veut. Ah oui, oui. Remonter. Non, mais c'est. Mais yes. Comment vous avez fait en fait? Comment vous avez fait? Expliquez-nous. Expliquez-nous. En fait, la montée était chaud. On a eu un panneau avec marqué Lutsk en cyrillique. Oui. Et du coup, on a trouvé Lutsk sur la map qui était grand. Bien sûr, il y a deux personnes qui savent lire le cyrillique dans votre équipe, contrairement à nous. Bien sûr. Et Milou a trouvé. Stoyanive. Dans la ville de Stoyanif. Bien sûr. Et pour tous les autres, il y a trois personnes qui savent bien le cyrillique. En Italie, c'est écrit sur l'ambulance. Il y avait quoi d'autre? La République tchèque, la Slovaquie, bah c'était écrit en, enfin, il y avait le nom des villes et puis c'était écrit en slovaque. Ah, le Portugal. Vous voulez savoir pour le Portugal? Oui. En fait, on a vu la A7. Et on a remonté la A7 et on est tombé sur Ribeira de Peña. On l'a trouvé trop tard. Fallait zoomer un peu. Et la Norvège, c'était dans ce challenge-là? Non, c'est le Danemark. Le Danemark. Où Mister MV a... ah, oui, s'est pas mis de la bonne ville. Oui.
J'ai mis sur un homonyme. J'y étais déjà allé, j'y suis déjà allé physiquement et du coup ça a été facile. Ah non, mais ouais. Voilà. Juste Nick. Voilà. Bah, bon. J'ai fait le tour du Danemark en voiture, forcément. Mais ah, ouais, bien sûr. Après, c'est une ville assez grosse, le Danemark. Ouais, c'est le Danemark. Le Danemark, je connais bien le Danemark aussi. Mm-hmm. Très bien. La France, où quelqu'un bouge pas. En mode tourelle, quelqu'un ne bouge pas. Alors, choisissons ici les capitaines qui ne bougeront pas. Moi, je ne bouge pas. C'est moi qui bouge pas. Ouais, ça a bien marché. Moi, je veux bien ne pas bouger aussi. Ok. Okay. On peut changer à chaque round, de toute façon, on verra bien. Oui, on peut changer à chaque round. Oui. Quelqu'un plus à l'aise avec la map, ça me convient. Alors... celui qui termine par WU. Oui. Oui. Ok, très bien. Celui-là. C'est inattrapable, on a perdu dans tous les cas. Oui. Oui. Mais, mais Antoine et moi, si on peut encore pour négocier notre deuxième place en individuel. Alors, faut tout à fait. Ah oui, Bilou qui va finir premier. Bilou qui va finir premier. De toute façon, c'est admis. Ah, Bilou, j'avoue. Bilou a déjà gagné, hein, de toute façon. Oh, le tueur. Bilou, incroyable. Oh là mais okay. Attends, mais je vais peut-être accrocher à deuxième place pour la première fois. Faut qu'on arrive à pulvériser l'étoile, Antoine. C'est important. Bah, super. Voilà. Ce sera une étoile. Focus. Allez, hop. Y a étoile dans la sauce. Bon, on descend dans notre équipe 2, nous. Ouais, allez. À toutes. Moi, je veux bien Tourelle sur la map. J'ai pas de problème avec ça. Ok. En vrai, il faut que ce soit le meilleur joueur qui tourne. Ouais. Moi, je vais tout droit. Je sais pas si je suis le meilleur joueur, mais. Tu l'es, et il faut que ce soit. C'est mieux, ouais. Bah écoute, je tourelle. Êtes-vous prêts? Ensuite, s'il y a du cyrillique, on le rattrape. Ah bah non, mais c'est bon. Bah oui. T'as trouvé bien par WU, on est d'accord. Hein. Oui. Oui. Ouais. Ok, faut être sûr. 3, 2, 1, go! Yes. Alors, je pars vers l'ouest. Ah ok, je pars à l'est. Attends, il y a un nom de rue direct. Déjà, il a permis de construire là, c'est du. Ville de Breuillet, rue du Brabant. Ok. Je le note. Juste le permis de construire, quelqu'un peut le lire mieux au point de départ ou pas? Il doit avoir toutes les infos dessus, je pense. Ok, je return. N'oublie pas qu'on n'a pas le droit d'ouvrir la map, nous. Hein. Oui. Oui, vous avez pas le droit, vous. Ah, mais ouais, j'en ai un là aussi. Je sais pas ça. Rond-point. Ouais, mais il était là, il a disparu. Alors, Geneviève-des-Bois. Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est vers Paris, ça? Ouais, c'est dans le 0. C'est dans le 01. C'est numéro en 01, c'est sûr. Ouais, donc on est vers Paris. Ah, mais ville de Breuillet, hein, moi j'ai vu sur la rue. Je suis quasiment sûr que je suis déjà tombé en plus à Geneviève-des-Bois. J'ai trouvé un peu d'infos. Et si vous le savez, où est Geneviève des Bois, évidemment. Ouais. Non, ça ne dit rien. Appartement. Comme il y a du Brevillet. Non, Breuillet en fait. Ah, la ville c'est Breuillet et on est rue du Brabant au début. Ville de Breuillet. On est à Breuillet et on est sur la D82 vers Bruyère, ouais, le CH. Breuillet centre, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un chemin de fer. J'ai rien d'autre. Arpajon, Église, Saint-Yon. Ah, Arpajon. Arpajon, c'est au sud de Paris, ça. Ouais. Église, Saint-Yon, Breuillet, toujours. Ouais, on est au même endroit. Un chemin de fer dans ces coins-là. La D82. Orange, Arpajon. D82, D192. Ouais, c'est vraiment. La ville du Bois, vous avez vu, non? C'est bien Breuillet, mais il n'y a pas trop d'infos à part ça. Ah, et on est aussi. Tu vois pas Bruyère et Breuillet? Non, mais non, après c'est Paris. Il y a Aigli aussi. Il y a Aigli. Là, je rentre dans la ville d'Aigli. E-G-L-Y. Ok, Breuillet, je l'ai, Breuillet. Ok. De Saint-Yon. On est dans Breuillet ? Dans Breuillet, rue du Brabant, et on est près d'Aigli. Et on est rue. Ouais, rue du Brabant. Pas trop loin d'Aigli. Vers le nord, vers le sud pour savoir ça. C'est parti. Ok, rue du Brabant, on est à l'intersection avec au point de départ, je suis retourné au point de départ. Il y a deux rues du Brabant, en fait elle fait une boucle, donc faut savoir. Ah d'accord, on est rue du Volumier au début. Rue du Volumier. Ouais, mais du coup intersection nord, intersection sud. Ah moi je la vois en allant vers l'est. Et ensuite je remonte. Donc en gros, attends, je vais vers l'est. Est-ce qu'à côté il y a la rue des Sources ou est-ce qu'à côté il y a la rue des Butréaux? C'est ça que je veux savoir. Ok, attends, la rue qu'il y a derrière, c'est rue laquelle du Volumier. Rue des Sources derrière. Donc en gros, quand je regarde vers le nord, j'ai la rue du Brabant et donc ouais. Elle est plus au. Attends, je vais pas m'énerver. Elle est plus à l'ouest, la rue des Sources. La rue des Sources est plus. En fait, j'ai mon point à l'intersection de rue du Brabant et rue du Volumier là, tu vois. Ok, bon bah c'est bon normalement. Normalement c'est bon. Y a que toi qui valide, hein, de toute façon. Et du coup, je l'ai mis du côté des rues des Sources.
Plus de notre côté. Ouais, plus du côté des rues des sources. Bah, c'est 15 mètres, écoutez, c'est ça. Allez, c'est bon. Bien joué. Nice. Bien joué. On se met tous 5000, ouais. Attendez, j'ai pas mis mon point, c'est bon? Non, t'as pas besoin. Oui, il y a que moi qui compte niveau point. Faut pas mettre son point, ouais. On est reparti. Yep. Yes. Bien joué. 3, 2, 1, go. Ok. Je pars vers le nord. Pareil. Quelqu'un part vers le sud? Bilou? Ouais, je fais une chose. Ok. Il y a une intersection au sud avec des panneaux là, si vous pouvez. Ouais, ok. Ah. L'Escar sur la D204, Ordonnac et Saint-Dizant sur la D4. On est au croisement de la D204 et de la D4. Ok, on est dans la ville de Saint-Germain-d'Esteuil. C'est ça. Il y a site archéologique de Brion juste à côté, si ça vous dit quelque chose. Sur la D4, on est. Hein. Ouais. Est-ce que vous connaissez Pauillac peut-être, non? Non. Non. Oui, je suis con. Non. Léac, a priori, c'est sud-ouest, mais. On est dans le 0. Il y a des numéros en 05. Ah oui, ok. Ouais, sud-ouest. J'avance. Ah bah attends, Pauillac, faut peut-être aller voir du côté de Ribérac, Montbazillac et tout. Ouais, attends, j'arrive dans une grande ville là. P-E-Y? Ok, j'ai un croisement. Ah non. Ok, okay. D203, il y a marque comme une marque à 2 km, Saint-Serin de C à 6. Sur la D4, il y a Saint-Isan de M, Péressant, Ordonnac. Ouais. Ils sont tous à 2 bornes et 4 bornes. Est-ce qu'il y a une grosse ville? Pas vraiment. Ouais, des grosses villes, ouais, des villes où il y a des autoroutes. Blaignan, Lépard. Le problème, c'est qu'il y a vraiment tout le sud-ouest en rack. Ouais, ah, non, c'est des petites routes. Château Sigognac. Je cherche la D4 pendant ce temps-là, D4 des machins. Ouais, je sais bien, mais je sais pas dans quel département, c'est super dur parce que c'est. Ouais. Site archéologique de Brion, ça dit rien à personne. Hein. Non. Ok. Non. La route de Péressant, je continue. J'ai pas d'infos. Check un peu quand même. Je suis en train, mais il va me falloir plus d'infos parce que sinon ça va être super dur. Non, c'est vrai. Ouais, je fonce dans le Mordor, je crois. En attendant qu'on fonce, quoi. Il m'a téléporté, au secours. Parce que là, clairement, quand t'as pas le département, il y a des villes en Aquitaine. Il n'y a pas le département, Aquitaine, juste Aquitaine, département de l'Aquitaine. Aquitaine. C'est une région à l'Aquitaine, il y a 6 départements dedans. Blaignan-Médoc, à 3 bornes. Château Blaignan-Médoc. Ah bah c'est au nord du. Dans le Médoc, ok, je suis au seul Médoc. Blaignan-Médoc à 3 bornes 5, ok. Je suis dans le Médoc, mais il n'y a pas de truc en rack dans le Médoc. Péressant, on a quitté, on était à je sais plus quoi. Il n'y a pas un petit Saint-Germain-d'Esteuil. Saint-Isan de Médoc, je vois moi. Ouais, moi je rentre à. Ah, pareil, je rentre à un truc de Médoc. Cadourne, Pauillac, ouais. On regarde peut-être au nord-ouest de Bordeaux. Je rentre à Saint-Isan de Médoc sur la D4. C'est là où je regarde. Ouais, okay. Saint-Vivien de Médoc aussi. Il y avait un chemin de fer, moi. Je suis passé devant un chemin de fer. Pour info. Saint-Isan de Médoc, ok, je vois. Ok, à Saint-Isan de Médoc, mais ça c'était. On est dans quel bled déjà? On a Saint-Germain-d'Esteuil? Ouais. Ok, je suis dedans. Voilà. Ah bah attends, je reviens au début. On était à la sortie, hein. De la 204 et on est vers une église. On est à la sortie nord. On était à la sortie nord et il y a une église. Il y a une église, ouais. On est okay. C'est surtout, on est à l'intersection entre la D4 et la. Et probablement à la route de Boyantran, probablement. Ouais. Là, j'ai la rue. Juste au sud de la rue du 8 mai 45. Vraiment, c'est la première rue quand on part vers l'arrière. C'est-à-dire le sud, ouais. La mairie et l'église. Ouais. Bah, 36 mètres, c'est 4990. Allez. Ils ont pas fait 5000. On a fait 1000. Bien joué. Bien match joué. Pour le Wombo. Ouais, on a pu avoir le. Il s'est mis du mauvais côté de la route, Antoine. Il s'est mis du mauvais côté de l'église. Faut ok. On est reparti. Yes. On est reparti. Est-ce que vous êtes prêts dans 3, 2, 1 et go. Ok. Je pars au nord. CrossFit Ursao. Ok. Bah, du coup, je pars au nord. À l'est. Okay, numéro de téléphone 05. Ouais. Pour Gabert. C'est un métro? Est-ce que c'est un nom? Pas du tout. Alors, ok, je suis sur une grande route. Ah, il y a peut-être des infos là-bas. Carrefour modifié. Allez. Tout à domicile, on s'en fout. Ok, j'ai un grand carrefour. Il devrait y avoir des infos par pitié. Ils sont très locales, visiblement. Bourg, c'est quoi ça? Bourg, chaleureusement vôtre. Comment ça? Hop. On est à Sercastet, sur la D716. Ouais, Sercastet, ça me dit rien. Ah, un bébé. SE2RES. Oui, attends, bébé, c'est presque terminé. Vous avez pas de direction? Vous dans avez 10 minutes. Ah, attends, j'essaie. Rien du tout, mec, depuis tout à l'heure. Je cherche. J'essaie de faire le mieux.
C'est fini dans 10 minutes, bébé, par pitié. J'arrive. Direction, on est au sud de Pau. On est au sud de Pau. Ok, ah, nice. Oh putain, j'ai une pancarte sud de Pau avec l'aéroport. Pau-Pyrénées. Aéroport Pau-Pyrénées. Déjà, vous avez dit Sarcasté en fait. Sarcasté, ouais. Oh, j'ai une bonne pancarte. Une bonne pancarte. Et pas loin de la ville de Sauvagnon. Rien, c'est ouf. Ouais, on est à l'ouest de Sauvagnon et à l'est de Lescar. Sous de putain, Sauvagnon, Lescar, c'est ouf. UDEN. Vers la A65 Bordeaux. Ah, je suis sur quel départemental ? C'était la D716 tout à l'heure. Et parce que là, j'en ai vu une autre. On est en dessous de Bayonne, Saragosse. Ah, sur la là, D. C'est... Ouais, d'accord. En c'est gros, le... on est c'est en dessous en vrai. On est... Puis c'est la D834, moi. Mais Bayonne, si on peut pas être en dessous de Bayonne, okay, j'ai... En dessous de Pau, en fait. Bordeaux, Agen, Mont-de-Marsan tout droit, mais en vert. Sauvagnon sur la gauche. Vous avez des numéros. En dessous de l'aéroport Pau-Pyrénées. Il y a l'aéroport Pau-Pyrénées. J'ai une pancarte qu'on est en dessous de cet aéroport-là. Il me faut du coup, ça doit pas être en ville. Ah, ok, Pau-Pyrénées, j'y suis. Sauvagnon, Sarcasté. Ok. J'ai que des grands. Sarcasté, ouais. Je reviens au début. Je suis sur un parking, visiblement. Cherche le crossfit, cherche le crossfit, au dessus. Crossfit Ursao. Je suis en train, mais... Attends, c'est la sortie de la ville. Ah. Ouais, on est pas c'est pas un dixième crossfit, donc... Essaye de... Tu peux trouver... Attends, je vais te donner des magasins à trouver. L'entreprise JSA, c'est une carrosserie. J'ai aucune entreprise qui s'affiche quand je... À l'ouest, AirTech Industries. Ah oui, d'accord, ok. Donc, des noms de rue. Ouais, parce que j'ai Gère Bellestein. Impasse de Gère Bellestein. On est un peu dans une zone industrielle, ouais, c'est chelou. Ah ouais, t'as rien du coup, t'as pas Nastiquet et tout, c'est bizarre parce que c'est... Ouais, il y a des milliards de boîtes. Ou alors je suis vraiment plus loin, parce qu'en fait le bled il doit être tout petit et ça peut être très grand comme commune, 3 kilomètres. C'est super grand comme commune. Ok, bon c'est bien. Combien du coup? 4899. Allez. Sarcasté n'est pas du tout indiqué là où on était. Donc c'est... On était... Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, on était tellement... Oh, c'était dur. On n'était pas là du tout. Je te demande combien ils vont faire. Puis on voit même pas le crossfit en plus. C'est dans la ZI de Pau, d'accord. The Life. Ah oui, d'accord. Okay. Alors je ne sais pas si ouais, c'est bien un la ZI. Ouais. Est-ce que... Ah oui, ok. On... Oh, ils ont. Allez. C'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Hein. Incroyable. Yes. Franchement, je vous en branle, j'ai fait un 0 sur une map. J'ai fait un 0 quoi. C'est bon, je suis dénerfé pour l'instant. Quand vous voulez. T'as silence. Ils ont pas mis leur score là-bas, tout le monde. Ah oui là, ils ont peut-être oublié. Ouais, il y en a deux. Je... Ils sont en train de s'engueuler. Bah, allez, vas-y. 3, 2, 1, go. Oula, je pars où? Attends, c'est magnifique. Oh. Bah, on part derrière, hein, du coup. Alors, putain, on est où là? La jetée. Oh, aïe, ok. Faut sortir de ces ruelles. On est dans le 04, t'as dit? Ouais. Pas le département, mais le numéro de téléphone. Ouais. Ok, donc. L'est. Ouais, ouais. Je pense que c'est la Corse en vrai. Il y a des chances sur la Corse, la mer est bah, au nord donc. Ah oui, on a un truc local. Restaurant Le Vieux Moulin. Allez, par pitié. Ah, attends, Bouillabaisse. Bouillabaisse, ouais. Bouillabaisse, bon. Ouais, Bouillabaisse, effectivement. Tu sais ce que ça veut dire, quoi. À côté de Marseille. Ouais, peut-être Martigues ou genre de. Enfin, j'arrive pas à sortir, c'est horrible. Ah ouais, moi non plus. Ok, si, peut-être. Ok, attends, je suis devant des panneaux. C'est bon, je sors. Ah, Suntory, Paisoli. On est en Corse. Suntory, Paisoli. Ok, bah j'y suis. Suntory, je vois au CA, très bien. Ouais. À 15 km. Est-ce qu'on est à Tollard ou à Barcaggio hein, quand... Alors, attends, je vais te dire. Pour... Là, on est sur la D35. Et Suntory est à 4 km vers le nord-est. Après du... ouais, l'hôtel... Ok, l'hôtel restant. Marinalou. Allez, je sors de ville. Port de Suntory, ah, okay. Port de Plaisance de Suntory. Et l'hôtel, c'était l'hôtel de la Jetée qu'on avait à côté. On avait quoi comme ouais, hôtel ouais. De la Jetée, ouais. Ouais. Hôtel de la Jetée. Ouais. Ok, je l'ai. Je l'ai. Nice. Ok, on est vraiment donc. Ouais. Bah. Ouais. On est vraiment. 3. Cool. Je guesse. 3, 2, 1, je guesse. 1 mètre. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau un monde qui joue. Très bonne organisation. Le Wombo. On a été propre là sur l'orgue. Bien joué. GG's. Enfin oui, il y a pas de bonus synchro. Bah, du coup, on les attend pour les bots. Ouais, on attend. Yes. Magnifique.
J'ai jamais eu de points en Corse, bizarrement. Mais je pense que je suis meilleur en équipe qu'en solo. Vraiment, enfin tout mon potentiel s'exprime en équipe, j'ai l'impression. En fait, la communication, elle est trop importante. En fait, elle est limite plus importante que le niveau individuel, parce que si t'arrives à bien communiquer ce que tu fais, tu vas beaucoup plus. En gros, genre tout seul tu vas plus vite, mais à plusieurs tu vas plus loin, quoi. C'est vraiment ce truc-là. Ouais. De... Ah, c'est beau. C'est beau. Magnifique. J'en fais un t-shirt demain. Tu me le mets sur le QWERTY là. Mais c'est un peu comme ça sur GeoGuessr. C'est genre tes connaissances individuelles, parfois elles vont pas t'en servir. C'est juste. Ils ont fait aussi. Ouais, le cyrillique de ouf, par contre. Ouais, cyrillique de ouf. Cyrillique, c'est le seul truc où le proverbe marche pas, quoi. Reste close, hein. On est la dernière. Allez. 3. Attendez. Pourquoi je suis bloqué? Je suis bloqué sur la. Je suis toujours en Corse, moi. Moi aussi. Je peux pas. Ah, parce que j'ai le time left. Oui, ok. Ouais, cliquez sur un truc au pif. Ah oui, attends, oui. On clique n'importe où, oui. C'est bon. Ok, guess. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. 3, 2, 1, go! La panique. Ah bah. Allez, il y a un phare tout au nord. On est sur une pointe. Je pars à l'ouest. De toute façon, j'ai l'impression que c'était un peu bouché. Y a rien. What the fuck? Elle est bourrée, la caméra, en plus. Ah ouais. Ok, go. Je vais essayer de sortir de ce chemin de mort. Ça me fait faire des 180. Il y avait pas des stickers sur les bagnoles, là? Non, il y avait pas de... Attends, j'irai revoir derrière, mais... Pour l'instant, j'ai envie de dire on est dans le Cotentin ou le... Aïe. Une info, please. Magnifique montagne. Partout derrière. Ah, c'est quoi ça? Ça a l'air anecdotique. L'Arenaccio Pizza et Snack, merci à lui. Ouais, l'Arenaccio, ça fait très corse aussi. L'Arenaccio, ouais. IU à la fin, c'est corse, c'est la Corse. IU, c'est Ayo. Ok. Ouais. Si, l'Arenaccio, c'est. Atolar, zéro. Ah ouais, c'est un Atolar, c'est le bled. T-O-2-L-A-R-E. Ouais. Ok. Allez, on continue par. J'y suis. Waouh, ok. Bien joué. Ensuite, c'était. On voit une île en face. Okay. Ouais, on voit une île au nord, ouais. Ah, je suis encore sur une plage maintenant. Est-ce qu'on est sur un truc qui s'appelle le sentier des douaniers, vous pensez? J'ai pas eu l'info. J'ai essayé un peu de trouver des infos, mais il y a très très peu d'infos. Mais attends. À part te dire qu'il y a une double épingle. En fait, Tolar, on est à 4 km de là où on vient de tomber avant, en fait. Ouais, énorme. Attends. Oh, j'ai atterri sur un parking, les gars. Ouais, moi aussi. Est-ce que... Ah, mais attends, il y a une épingle, je prends l'épingle. Attends, est-ce mais... qu'il y avait une intersection à quelque part sur la route, en fait? Il y a une espèce d'épingle. Est-ce qu'à l'ouest du point de départ, il y a une intersection? Attends, je retourne, parce que là... Est-ce qu'à l'est du point de départ... L'ouest. Le nord-est, s'il y a une petite... L'ouest, ça tourne à gauche, puis à droite. Directement, ça tourne à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à gauche. Est-ce qu'il y a une intersection? Toujours pas. Beaucoup de virages. Non. Ouais, mais t'es sur le sentier des douaniers. Oui, je suis sur le sentier des douaniers, tout à fait, mais du coup, j'aimerais bien savoir s'il y a des petites intersections ici et là. Donc, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on est par rapport à ces intersections. Pas vraiment. Du tout, c'est que des virages. Il y a un micro truc. C'est que des virages dans la ville. Dans la ville de. Il y a des, il y a des chemins forestiers sur le côté. Mais on est où par rapport à la ville de. En fait, c'est ça, on est sur. Ah, on est sur la D253. C'est bien là où t'es? D253. Bah, je suis sur le sentier des douaniers, du coup. En fait, Tolar est vers ton sud-est. Attends. Tolar est à peu près vers ton sud-est quand tu te gères. Ça, quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'il arrive. La question, c'est est-ce que je suis sur le sentier du douanier ou est-ce que je suis sur la D253? Non, t'es sur le sentier du douanier. Ah, parce que moi, j'ai vu D253 en montant là. Hein. J'ai vu une borne sur le côté. Je vois sentier du douanier. Genre au quatrième virage. D'accord, ok. 579 mètres, effectivement, on était sur la D253. Ouais, c'est ça. Hein. Okay. Ah, c'était marqué. Et Antoine Osiach. Ok, 40, combien 82 en 9. Allez, merde. Bah, il voit s'ambiancer. Yes. Désolé, my bad. Non, mais t'inquiète, je pense que c'est peut-être aussi une question d'indication. On est tombé vraiment, les deux points qu'on a fait là, ils sont tombés, c'était à 4 km d'écart, quoi. On les nique d'un point, on les a niqués sur tous les rounds, quoi. Un point, ouais. C'est pas de chance. Vas-y, étoile, yes. GG à tous. Pardon, je te mets ton score. Tu voulais pas c'est me mettre la win, je l'ai. Je l'ai rejoint. Ouais. Incroyable. Ouais. Sans aucun plaisir. Sans aucun plaisir. C'est terrible. GG à tous.
Bien joué. Très bien très bon bravo, ouais. L'équipe, ouais, toi, non mais arrête. J'ai prévenu. Non mais JD. J'ai prévenu. J'étais en mode, pour moi 4v4 c'est imbalançable. Ce que je disais, c'est qu'on fera plus du 4v4. Si on se retrouve à 8, on fera des équipes de 2 ensuite. Voilà. Ah oui, idiot. Et en plus, même pendant le vocal, on se marchait beaucoup dessus en termes de alors que nous, ça allait. Nous, ça allait pour c'est le coup. Ah non. Ouais, nous, ouais, c'était ouais. Bordel. Ouais, c'était fluide, nous. Nous, ça allait, c'était relativement fluide, ouais. Ouais, par bah, bébé non, qui est venu jouer du poulet à un moment. Nous, on n'a pas trop géré. Sur Discord, il y a du délai aussi. Du coup, quand tu parles les uns sur les autres, quand on est beaucoup, et bah, du coup, tu te ouais, coupes, ça... Ouais, tu reprends. Et... Ça atténue les voix et tout. Enfin bref, ouais, c'est vrai que... Ouais. Compliqué. Bilou devant, loin. Ah, oui. Bilou, hein. Bilou le king ouais. Incroyable. Trop content, ouais. En vrai. Bien joué. Ouais. C'est des mois d'entraînement qui ont payé. Moult GG's. Incroyable. Bravo l'équipe. Ah bien joué hein, le milieu. Étoile, premier Bilou, deuxième étoile, troisième. C'est quoi ce classement ? Quatrième ex aequo JD et moi. Cinquième. Ah bah non du coup parce que ça mange. Sixième MV. Oui. Septième Gus, huitième Rivenzi, bravo à tous. Bravo. Oh, ça tout. Va, je suis pas mécontent. Ça va. Pour une première. Incroyable. Okay. Bilou le boss. En tout cas, j'ai trouvé ça super cool de jouer en team. C'est la première fois et ça m'a j'ai trouvé ça ouais. Vraiment cool. Ouais. Pareil, c'était vraiment cool. C'était stressant pour le coup. Nous, on était. Je pense oui, que ça va, c'est bien géré en vrai. Je pense qu'on a pas bien géré. Oui, mais après, ça va, c'est stressant, rigolo. C'est pas stressant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais Monté qui est devant nous, JD et moi, alors qu'il a fait 0 sur un round, ça fait quand même mal au cul. Hein, un peu mal au cul. C'est vrai. Incroyable. Sur, le, sur la perf totale de l'équipe, c'est pas si impactant que ça en fait. Oui. Vous non, avez gagné littéralement voilà. Tous les rounds, les rouges. Ouais, on n'a pas gagné un, quoi. On n'a pas gagné un seul. Pas un seul. Ah ouais. L'humiliation détruite. Total. Oh, et puis même le même dernier à un point. Ouais, un point. Ah oui, vous avez gagné toutes les victoires solo et toutes les victoires coop. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Non, les victoires solo, non. Non, pas solo, juste coop. Non, JD à France solo. Oui, enfin la team a gagné, mais Ah oui. Pardon, la team, oui. C'était pas, je veux dire en coop. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais oui. Les deux points à chaque challenge font mal. Hein. Après, pour le coup, du 2v2v2v2, c'est beaucoup plus dur à balancer encore. Hein. Ah oui. C'est pas tant que ça en réalité. Et en plus, il y a ce truc de quand t'as pas retourné au point de départ. Enfin, si ton pote il part vers le nord et que l'autre dans l'autre équipe, le pote il part vers le sud, ça change tout, quoi. Oui, c'est sûr, mais bon. C'est le jeu, putain. Ah ouais, zéro partout, victoire pop. Incroyable. Non, mais vraiment, idéalement, mais il faut qu'on y arrive. Mais ce qui serait trop bien, c'est que la semaine prochaine, on soit 9 et qu'on fasse du 3v3v3. Ça, ça déboîterait de ouf. 3v3, ça serait pas mal, ça. Ouais, ouais, 3v3, ouais, ça peut être, ça peut être très cool, ça. Ouais. Et Bilou qui met la méga piquette en n'ayant fait aucun combo, quel swag. Et ça, c'est incroyable. Oh là là, oui, bravo, Bilou. Merci beaucoup. Le king. Ah, mais Bilou, mais t'es incroyable. Le boss. T'es juste bien simple. Ouais, team de 3, c'est ce qu'il y a de mieux, effectivement. Toi, si on se retrouve à 8, faut faire du 2v2v2, 6, 3v3, et 9. 9, c'est l'idéal, vraiment. 3v3v3. Ouais. Ça serait vraiment l'idéal. Ouais, ça pourrait être cool, ouais. Carrément. Carrément. T'avoue. Yep. Du coup, ouais, ça serait sympa. Ça serait bon, je vais devoir bounce, comme d'hab, pour trouver ma famille. Yes. C'était très sympathique, bravo. Merci. Bravo les truites. Bravo les truites. Merci beaucoup. Bravo Bilou. Bravo, bravo Bilou, ouais. Oh, oui. Bilou, salut. Salut. Incroyable. Bon, quelques regrets, encore quelques chokes, mais c'est cool. En sixième, compliqué. Mais j'ai chuté sur le dernier monde, là. Je me suis fait baiser, tombé de la quatrième place à la septième sur le monde, alors que tout allait bien. Il y avait eu un gros accident. Puis bon, le Kyrgyzstan, là, ou je sais plus quoi. What a life. Des bisous. Désolé, hein, j'ai loupé des milliards de trucs. Merci Magnanime pour le Prime. Merci à Zujitros, Kiltokil, Felward, Malabar69, Ozem, Gordrim à l'instant. Merci pour tous vos resubs, bien sûr. On se retrouve peut-être plus tard, vu que j'ai du sommeil en rab. Bisous.